Bonsoir les Nuréens, soyez les bienvenus sur votre média. Je suis très très content de vous retrouver sur l'antenne de Nuréa TV et de finir cette semaine en beauté, en votre compagnie. C'est toujours un grand grand plaisir de finir mes semaines avec vous les Nuréens. Donc soyez les bienvenus en tout cas sur Nuréa TV. Je vois que vous êtes déjà nombreux à avoir posté des commentaires sur le fil de discussion. Donc merci encore une fois pour votre participation. Je le dirai jamais assez, c'est aussi vous qui faites la qualité des émissions à travers vos interventions, vos questionnements, vos échanges. Parce que Nuria TV, c'est avant tout une grande plateforme d'échange et on tient à ce que ça le reste et voire même que ça s'amplifie. En parlant d'amplifier, je voulais aussi prendre une petite minute pour remercier celles et ceux qui ont répondu à notre appel de financement qu'on a relancé il n'y a pas si longtemps que ça sur Internet. Pourquoi? Parce que Nuria a besoin de soutien financier pour exister, pour fonctionner, pour que nous puissions y consacrer plus de temps et puis pour que nous puissions améliorer aussi la qualité du matériel technique, la qualité du site internet. Donc un grand grand merci à celles et ceux qui ont fait la démarche d'aller sur PayPal ou sur Tipeee pour mettre en place un don ponctuel ou un don mensuel qui nous permet aussi d'avoir une visibilité, je vais y arriver, à long terme. Et puis aussi un grand merci à celles et ceux qui sont là depuis des mois, voire depuis le début et qui nous apportent leur aide financière. Donc les amis, un grand merci de la part de moi et Nora. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et qui en ont l'envie et les moyens, surtout parce que c'est important d'avoir les moyens pour le faire, et ben vous êtes les bienvenus. En tout cas, si vous voulez aider Nuria TV à grandir, ça sera avec un grand, grand plaisir que nous accueillerons votre aide financière. Voilà, ceci étant dit, avant que nous accueillions nos invités, parce que ce soir j'ai la chance d'en recevoir non pas un, mais deux invités, je voulais aussi vous expliquer comment vous connecter pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur Nuria TV. Pour pouvoir participer au fil de discussion, échanger avec les Nuréens sur le site internet et poser des questions et commentaires durant l'émission. Je sélectionnerai quelques-unes de ces questions pour les soumettre à nos invités. Donc, pour vous connecter, rien de plus simple, je vais vous faire un petit partage d'écran, ça sera plus simple à comprendre. Hop, c'est parti. Donc, quand vous arrivez sur le site Nuréa TV, donc vous voyez, vous avez le petit menu déroulant qui vous présente toutes les émissions à venir. Vous allez sur l'émission du jour, Géobiologie et manifestation de l'invisible. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page de l'émission. Donc là, vous avez le petit lecteur pour suivre l'émission en direct. Si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est aussi sympa de le faire sur le site internet directement. Un petit texte de présentation qui vous présente la thématique de la soirée. Et puis, juste en dessous, ici, vous avez l'application commentaire. Donc il faut un compte Facebook pour l'instant pour participer aux commentaires sur le site. On espère dans les mois à venir pouvoir améliorer ça et vous proposer une application commentaire qui soit vraiment 100% Nuréa TV sans que vous n'ayez à avoir un compte sur un réseau social quelconque. Et on va aussi prochainement développer un système de compte en ligne sur le site Nuria TV qui vous permettra de créer votre compte. Comme ça, vous pourrez commenter à partir de ce compte. Vous pourrez aussi vous inscrire à des cours vidéo et récolter les liens d'accès à ces cours vidéo directement sur votre compte en ligne, ce qui sera bien plus pratique pour tout le monde. Donc voilà, suite à l'appel de financement participatif, on n'a pas atteint les objectifs qu'on espérait atteindre, mais on a déjà eu beaucoup de soutien de votre part et je pense qu'on ne va pas tarder à lancer le financement pour mettre en place ces améliorations sur le site internet. Des améliorations qui, vous vous le doutez bien, coûtent toujours un peu d'argent, mais ça nous permettra aussi d'avoir un outil encore plus efficace pour communiquer, pour échanger tous ensemble et pour faire avancer le schmilblick. Voilà, ceci étant dit, écoutez, je ne vais pas traîner plus longtemps. On va recevoir sur l'antenne de Nuria TV Adeline Gaillot et Laurent Boulanger qui ce soir viennent nous parler de géobiologie. Bonsoir Adeline, bonsoir Laurent, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus tous les deux, un grand plaisir de te retrouver Laurent, ça fait longtemps, je crois que ça fait plus de 6 mois qu'on ne t'avait pas vu sur l'antenne, mais il faut savoir se faire désirer aussi de temps à autre puisqu'on avait fait en octobre une émission sur la guidance et la reconnexion. Et puis ce soir, une nouvelle invitée sur Nuria TV, Adeline. Je suis très très contente de te recevoir sur notre antenne. Je suis très contente d'être là. Donc ce soir, on va parler géobiologie. On va surtout parler géobiologie de l'habitat, puisque c'est dans ce cadre-là que vous exercez et que vous intervenez sur le terrain pour aider les gens à se sentir mieux dans leur maison. Je crois que c'est la base de la géobiologie de l'habitat. Et puis, je sais qu'il y aura beaucoup de questions ce soir. J'ai déjà vu un nom qui circule beaucoup quand on parle géobiologie. Il s'agit de Monsieur Yann Lipnik, qui est un géobiologue très connu et qui a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Et je pense qu'on
on va certainement déborder ce soir sur la géobiologie en dehors de l'habitat et au sens beaucoup plus général. Mais dans un premier temps, on va aborder votre activité à tous les deux, ce que vous faites sur le terrain, comment vous le faites, pourquoi, avec qui. Quand je dis avec qui, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête, parce que j'ai dit ce soir j'avais deux invités, mais je connais une certaine Philomène qui n'est jamais très très loin quand Laurent nous rejoint sur Nuria. C'est exact. Donc on salue Philomène. Avant ceci, des commentaires des Nuréens, j'en ai vu tout à l'heure qui disaient bonsoir à Laurent, bonsoir à Adeline, et Adeline que nous ne connaissons pas encore puisque c'est la première fois qu'on a le plaisir de te recevoir. Donc on va commencer avec toi Adeline ce soir. J'aurais aimé savoir ton parcours par rapport à tous ces phénomènes de l'invisible qu'on évoque régulièrement sur Nira TV à travers divers aspects. Ce soir c'est la géobiologie, mais je suppose que comme Laurent, tu n'as pas que cette corde à ton arc. Et ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, c'est comment toi tu t'es intéressé à ces phénomènes-là et comment tu t'es immergé dans ces savoirs qui ont rapport avec l'invisible. Alors en fait, j'ai fait une formation de naturopathie, et lors du cursus de naturopathie, donc j'ai rencontré Laurent qui venait faire les cours d'iridologie et donc nous a expliqué un peu toutes les thématiques qu'il abordait, et donc a parlé de la géobiologie de l'extérieur en forêt de Brocéliande. Et Brocéliande, ça fait plusieurs années que j'étais intéressée par la forêt. Je sentais vraiment un appel du cœur à aller sur cette forêt sans vraiment savoir pourquoi. Donc, je me suis tout de suite inscrite au stage. Et là, ça a été une vraie découverte, une vraie reconnexion, je dirais, à la géobiologie extérieure, aux minéraux, aux végétaux, aux différents règnes. Et donc, déjà, ça a été une première phase. Et puis, donc après, j'ai commencé à venir de façon régulière en stage d'observation au cabinet avec Laurent, où on a fait des géobiologies de l'habitat ensemble. Et là, j'ai pu apprécier aussi le travail de géobiologie de l'habitat, en fait. Et moi, cette ouverture, cette connexion, ça s'est vraiment fait au travers de la formation de naturopathie et de stages comme ça, où j'ai pu vraiment travailler cette guidance qui est très utile pour la géobiologie comme dans d'autres domaines d'intervention. Très bien. Avant de faire ces stages de formation en naturopathie, est-ce que tu avais déjà eu des expériences de perception extrasensorielle qui t'avaient aidé à entrevoir à travers le rideau ce monde de l'invisible, ou alors c'est vraiment à travers ces stages-là que tu as découvert ces capacités que tu avais et qui te permettent d'aborder cette dimension-là? Alors, j'avais eu beaucoup de choses enfant. En fait, enfant, je voyais, j'avais beaucoup de crises de somnambulisme. Pareil, quand on a fait l'exercice des auras, en fait, je me suis aperçue que je voyais les auras depuis toujours, mais comme j'avais un problème de vision, je pensais que c'était simplement un défaut de vision. Donc, voilà, j'avais eu des choses petites, et puis après, je dirais, à l'âge adulte, ça s'était un peu refermé, parce que j'avais énormément de peur par rapport à tout ça. Et je dirais, dans mon entourage proche, les personnes ne s'intéressaient pas du tout à ces choses-là. Donc, ça a été une explosion en très peu de temps, dès que j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas de peur à avoir, et que c'était vraiment... à partir du moment où on laissait tomber les peurs, on avait vraiment accès à ces choses-là, et de façon simple, et tout se passe très bien. Voilà. Encore une fois, une question de mental, on y revient toujours. Ouais. Pour toi, le robinet s'est ouvert, le canal était connecté, et puis bon, tu as pu bénéficier des enseignements de Laurent. Alors, petite question, Laurent, comme prof, il est comment? Il est très bien, il est très pédagogue. Je dis ça parce que tôt ou tard, je vais venir les faire, ces stages, et je me renseigne un peu avant sur le prof, voir s'il n'est pas trop sévère, s'il va falloir que je me mette au fond de la classe ou pas. Il n'y a pas de fond de classe, parce qu'en fait, on prend quand même très peu de personnes dans les groupes. On les anime à deux maintenant, et on prend 10 personnes au maximum. Donc, même au fond de classe, on le voit, quoi. D'accord. En parlant de ces groupes et de ces stages, Laurent, je crois que tu avais un petit coucou à passer, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est l'endroit où vous animez tous les deux aussi, c'est une partie de ces stages, parce qu'il y a aussi beaucoup de stages à l'étranger, puis à travers la France, que vous co-animez tous les deux. Le petit coucou pour la personne qui t'héberge et qui vous reçoit pour ces stages.
Voilà, oui, je voulais remercier Josiane donc, et Edmond Onetto qui donc, ont un gîte à Montpon-en-Bresse. Il s'appelle Les Rendez-vous. Alors, si vous voulez vraiment prendre rendez-vous avec la nature, le calme, le repos, venez ici parce que vraiment, on est vraiment super bien traité, on mange très bien, on est en pleine nature. Le matin, on se réveille avec les chevreuils. C'est juste génial. Et puis, donc, je voulais la remercier parce que c'est donc elle qui nous accueille effectivement pour les stages, une bonne partie des stages. Et puis également pour ce soir, pour cette émission. On est très très contents de la faire d'ici. Donc merci et surtout n'hésitez pas à venir en Bresse. Les rendez-vous, c'est le nom du gîte. Voilà, le message est Voilà. passé. Merci Laurent. Un commentaire de Livy qui nous dit: premier direct maintenant que j'ai compris le fonctionnement des commentaires, mais vieille Nuréenne, comme quoi il n'est jamais trop tard pour apprendre. Bienvenue Livy. Et Livy qui nous dit: cependant, désolé d'avoir loupé la guest de la soirée. Qui est Philomène? Alors Laurent, est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement qui est Philomène, ton rapport avec elle et comment ça se passe pour les rares et nouveaux Nuréens qui ne te connaissent pas eux encore? Alors, Philomène, en fait, si on veut vraiment donner son nom, c'est Sainte Philomène, qui était la petite sainte du Saint-Curé d'Ars, en réalité. Donc, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est un petit peu long, mais disons que j'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a maintenant 8 ans et de la voir, je l'ai quasiment tout le temps en guidance depuis 8 ans. Donc, elle me guide pour les soins énergétiques, pour un tas de choses. Et également donc pour la géobiologie, on va en parler aujourd'hui. Donc Philomène, qui est une guide en fait, hein, une guide qui peut être d'ailleurs également la guide de Lydie, si elle en a envie. Hein. Il n'y a pas d'exclusivité, on n'a pas signé de contrat. Elle est extraordinaire parce que en fait, dans sa guidance et dans la façon dont elle fonctionne, et je pense qu'elle l'a adaptée à ma personnalité, c'est toujours très simple et c'est toujours très imagé. Et c'est toujours plein de bienveillance. Donc du coup, voilà qui est Philomène. Évidemment, il existe plein de livres sur elle, enfin, etc. Avec des choses qui sont vraies et d'autres un peu moins. Voilà, c'est une guide comme il y en a beaucoup et qui est extraordinaire et qui nous guide. Voilà. Oui, et qui est Donc souvent, la guest, en souvent fait, c'est elle. D'ailleurs, on a hésité, on s'est dit, on va la laisser faire l'émission, puis on va vous regarder. Mais elle est là, il n'y a pas de problème. Ouais, puis elle a toujours à travers toi les bons mots pour nous expliquer certaines choses qui ne sont pas facilement explicables. Et avec elle, tout devient en général beaucoup plus simple à comprendre. Donc Philomène, si tu es parmi nous, n'hésite pas à intervenir par l'intermédiaire de Laurent ou Adeline. D'ailleurs, Adeline, est-ce que toi, Philomène, tu as une connexion avec elle ou pas? Oui, en fait. Pour faire simple, on a une proximité d'âme avec Laurent. Et effectivement, j'entends aussi Philomène. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu sa représentation, je me suis mise à pleurer parce que j'avais vraiment l'impression de la connaître. Et effectivement, je l'avais déjà vue en étant enfant, mais je ne savais pas du tout qui c'était en fait. Morale de l'histoire, n'oubliez pas les amis, restez de grands enfants. Ne perdez surtout pas ça parce qu'après, c'est un peu plus compliqué pour le retrouver. On va se lancer sur notre thématique du jour. Donc, on a orienté l'émission de ce soir plus sur la géologie de l'habitat, mais on aura certainement l'occasion de prendre des chemins de traverse au cours de la soirée et pour élargir un peu le sujet. Pour commencer, la géologie. La géobiologie, parce que la géologie, c'est pas vraiment le thème du soir. La géobiologie de l'habitat, en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Alors, je commence. La géobiologie de l'habitat, en fait, étymologiquement, donc géobiologie, géo la terre, biologie de tout ce qui est vivant. Autrement dit, la géobiologie, c'est une. Si on va voir la définition sur Wikipédia, ou on va nous expliquer que c'est une pseudo-science. C'est pas quelque chose de finalement beaucoup reconnu, mais c'est pas reconnu, mais on en parle quand même beaucoup. La géobiologie, c'est vraiment la mise en adéquation, la géobiologie de l'habitat. C'est la mise en adéquation en fait des habitations, des lieux de résidence, de vie avec les occupants. Et c'est important de comprendre ça parce que on va essayer de vous expliquer un maximum de choses en minimum de temps, mais de façon simple. On ne met pas en adéquation une habitation avec les mêmes habitants. On a toujours des moyens différents et adaptés par rapport aux habitants. C'est-à-dire que si demain on va réaliser une maison où il y a des gens, si les gens déménagent, il faudra refaire la maison en géobiologie, parce que il faut que l'état vibratoire corresponde aussi aux habitants.
Donc, c'est cela, la géobiologie, c'est le fait de se sentir bien dans un lieu et d'y être en harmonie. Que ce soit dans une habitation, que ce soit dans un magasin, une grande surface ou dans un lieu de travail, on réalise des études et des travaux en géobiologie dans des endroits vraiment différents. Et donc, que ce soit habitation récente, des constructions neuves, parce qu'on nous pose quelquefois la question, donc en nous disant, ben, c'est nous qui avons construit la maison, on est les premiers propriétaires. Oui, mais il y a aussi on peut retrouver des choses au niveau du terrain. Donc, c'est important de faire la géologie aussi, que ce soit sur les maisons neuves ou les maisons plus anciennes. D'accord. Alors, moi, la première idée que j'avais sur la géobiologie, le truc de base, et peut-être que je me trompe, je pensais tout de suite aux sources d'eau qui passent sous les maisons, parce qu'on en entend souvent parler. Tiens, tu dors, il y a une source qui passe sous cette pièce, c'est normal que vous ne dormiez pas bien. Je pense au courant tellurique, ce genre de choses. Est-ce que ça fait partie de votre approche quand vous abordez un habitat? Bien sûr. Ça fait partie, donc on va essayer de détailler un petit peu tous les points qu'on aborde en géobiologie d'habitat. Ouais, les gens ça peut être pas mal, ouais. Les gens se rendent compte justement un petit peu de l'étendue. Donc on parle beaucoup de tellurisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base en géobiologie, en tout cas celle qui est connue par tous les géobiologues, ce sont les réseaux. Les réseaux qui sont des réseaux ferreux, rocheux, et qui ont été identifiés, calculés, avec une orientation nord-sud, ouest-ouest ou d'autres. Et à chaque fois, on va retrouver un réseau différent. Alors, on a des réseaux de platine, de nickel, de fer, etc., etc. Et tous ces réseaux, en fait, ils vont constituer en quelque sorte l'ossature de la Terre, comme nous, on a un squelette. Donc, il y a un quadrillage, en fait, de la Terre qui est fait en tout endroit, donc partout. Il n'y a pas des endroits qui sont exempts de cette ossature-là. Et puis, également, il y a les réseaux telluriques, c'est-à-dire également de l'eau, qui interviennent et qui peuvent plus ou moins amplifier ces réseaux-là. Donc, on va le détailler. Il y a des points qui sont, on va dire, pas très, très, très excellents pour nous, mais qui sont bons, par exemple, pour les animaux. Puis, il y a des points qui sont vraiment géopathogènes. Et on l'a constaté, on vous donnera des exemples sur des maisons où on a retrouvé des gens malades dans des alignements vraiment de réseaux, les mêmes réseaux. Donc, il n'y a pas de hasard. Et vraiment, c'est beaucoup plus important qu'on ne pourrait le croire. Voilà un petit peu pour ce qui est des réseaux télévisés. D'accord. Il y a Dominique qui nous dit « Les sourciers sont des géobiologues, ils ont parfois fini sur des bûchers. » Donc oui, effectivement, cette image qu'on a dans nos campagnes du sourcier avec ses baguettes qui cherche les réseaux, les sources d'eau à côté et sous les maisons, on fait de la géobiologie là-bas. Oui, 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 c'est le même principe. Mais la recherche d'eau, en même temps aussi les puisatiers, d'ailleurs, avec les baguettes de noisettes, de noisetiers, pardon, faisait ça aussi également. C'était vraiment un art ancestral, et la géobiologie est un art ancestral. Il faut savoir que les Celtes, etc., levaient des menhirs. Alors ça tombe bien parce que nous, c'est aussi la méthode qu'on emploie, une méthode ancestrale pour rectifier, ou tout simplement pour diffuser une vibration qui leur est propice, qui leur était nécessaire. Donc, premier point encore à retenir. Déjà, moi, grosse surprise, d'une personne à l'autre, en fait, si on change de maison, l'harmonie vibratoire qui a été installée sur le lieu, finalement, n'est plus adaptée à de nouvelles personnes. Ben nous, c'est notre façon de travailler. C'est aussi, alors, et là, on va l'aborder aussi. Il y a la géobiologie classique, celle qu'on nous apprend avec les réseaux Hartmann, Curie, Perry. Il y a Nipnik aussi a trouvé un réseau, mais il y en a d'autres. En guidance, c'est là où peut-être on va se différencier un petit peu ou compléter les choses. Pour parler de Philomène, puisque vous avez demandé qu'elle soit là. Donc Philomène, un jour, me dit « Ok, donc tu demandes ces points-là. D'accord. Et tu crois que vous connaissez tous les réseaux ?» Et elle m'a dit « Tu sais, toi, quand tu te blesses à la main, si tu te coupes une grosse veine, bon, bah, tu sais. Mais les petits vaisseaux font très, très mal. Ils font très, très... Et tu ne connais pas forcément leur nom, mais pourtant, ils sont là. » Alors, c'est vrai que cet enseignement, en plus, je dirais, de la base, c'est quand même un grand cadeau, parce qu'elle nous a demandé de traiter ça un petit peu différemment et de traiter les points nocifs et non plus des points par les noms des réseaux. C'est en cela où je voulais aussi vous l'expliquer ce soir également, les deux. Ouais, parce que c'est important.
On va prendre du temps ce soir là-dessus parce qu'effectivement, vous, votre manière d'exercer la géobiologie, elle est bien particulière. Tu as utilisé ce mot tout à l'heure qu'on a déjà eu l'occasion de voir avec toi précédemment dans d'autres émissions. C'est par guidance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul aux commandes lorsque vous exercez sur un habitat. D'ailleurs, question pour Adeline. La première chose, quand vous arrivez sur le terrain, quelle est la première chose que vous faites, toi et Laurent? Alors, la première chose qu'on va faire, déjà, c'est demander si on peut faire le travail. Quand on arrive sur un lieu, il faut toujours demander la permission. En fait. Demander à qui la permission? Alors, on demande en guidance si c'est le moment de faire le travail. Alors, on a très rarement un non. Souvent, si c'est un non, ça va être plus que c'est peut-être pas le moment, qu'il va y avoir des événements importants au niveau de la famille, des choses comme ça. Donc souvent, le rendez-vous se décale de lui-même. Mais voilà, en arrivant, la première chose, c'est la permission. On demande la permission au lieu de pouvoir et au guide de pouvoir faire le travail. En fait. D'accord. Ouais, c'est déjà une bonne chose de demander la permission. Ça me semble assez courtois, on va dire. Et après cette étape de la permission obtenue. Alors en fait, on va déjà faire une visite d'ensemble pour s'imprégner un petit peu des lieux. Et après, en fait, on va faire un diagnostic pièce par pièce et relever. On a des tableaux, donc relever tous les éléments pièce par pièce, en fait. Voilà. Donc on fait vraiment toutes les pièces de vie de la maison. Et donc là, après, il y a tout un tas de points qu'on relève. Le premier point qu'on va relever, ça va être le niveau cosmotellurique. En fait. Donc ça va être l'influence des énergies du sol, donc de la terre tellurique, par rapport aux énergies du cosmos. Et en fait, ce niveau, pour être correct dans une maison, il doit se situer environ à 20%, c'est-à-dire à peu près en dessous du genou. Donc déjà, ce niveau cosmotellurique, quand il est plus élevé, ça va nous donner des indications sur éventuellement des courants d'eau souterrains, des choses comme ça, et divers présences, diverses choses à nettoyer dans la maison. Alors, quand tu dis 20%, c'est au niveau du genou, ça veut dire que toi, avec ton corps comme outil, c'est ce que tu perçois comme vibration. Alors, dans cet équilibre entre les énergies de la Terre et les énergies du cosmos. Alors, souvent, on peut avoir, nous, les perceptions, on peut demander les perceptions dans le corps. Et ce qu'on fait très souvent, donc nous, on travaille simplement avec un lobe en peine. Donc, c'est du laiton. Donc, c'est un petit outil en laiton. On ne voit pas très, très, très bien. D'accord. Voilà, on travaille avec... Et donc, en fait, il nous permet de donner un oui ou un non. Et donc, on peut relever le niveau cosmotellurique avec cet outil. Et ce qui est bien et à la fois visuel, c'est qu'on très souvent on le fait faire aux propriétaires aussi pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Parce qu'une fois que le travail va être fait, le niveau va redescendre. Donc comme ça, ils peuvent vérifier par eux-mêmes et avoir le ressenti de l'outil dans les mains. D'accord. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de ce genre d'outil? Ça c'est une baguette. Ouais. Alors, les baguettes, oui, elles vont se croiser au moment du nœud tellurique, en tout cas, voilà. Ce sont des outils pratiques aussi. Moi, je sais que je fonctionne pas trop avec des baguettes parce que c'est un peu encombrant. Le gros avantage de ça, c'est qu'on l'a dans la poche. Ça se voit pas. C'est pratique et ça marche très, très, très bien. D'accord. Mais ça fonctionne sur le même principe que ces outils-là. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que ceux-là sont un peu plus connus, on va dire, que ce drôle d'objet que vous nous présentez là et qui m'intrigue. C'est très haute technologie quand même. Ça se voit. Ça se voit. Hein. La particularité qu'on a également quand on fait une maison avec Adeline, c'est qu'en fait, effectivement, comme elle le disait, on va leur faire essayer. On va leur faire constater par eux-mêmes. Au lieu d'arriver à faire le travail et puis que les gens naviguent, alors ils ont le droit de faire autre chose, mais en général, on leur fait prendre leur niveau cosmotellurique au départ, on reprend tous les relevés, on corrige, on détourne ces énergies, et ensuite ils le reprennent après, eux-mêmes. Donc au départ, c'est eux-mêmes, et après, c'est eux-mêmes. Parce que même si les gens s'ouvrent à ça, des fois dans des couples, il y en a un sur les deux qui est très très branché, et l'autre un petit peu moins. Donc moi, j'aime beaucoup faire essayer celui qui l'est un peu moins, justement. Bah oui, pour faire. Que ça fonctionne.
Et puis très souvent sur, pardon, très souvent sur les géobiologies comme ça, les personnes aussi se mettent dans une autre position par rapport au ressenti. Et on a des personnes qui disent « Ah bah oui, tiens, là, j'ai mal à la tête » ou « Là, ça me fait plus mal sur cette zone. » En fait, ils vont commencer à se mettre en position de réception et à eux aussi avoir des informations sur les lieux. À propos de ces personnes chez qui vous intervenez, question que je n'ai pas pensé à vous poser, pourquoi ils vous appellent à la base ? Parce qu'il y a un mal-être ou alors ils sont curieux ou ils se disent « Ça pourrait être encore mieux » ou… Qu'est-ce qui déclenche en général chez ces gens l'envie, le besoin de faire appel à vos services ? Il y a des personnes qui connaissent du coup la géobiologie. Je dirais qu'en plus, nous, au niveau du cabinet, les gens nous connaissent. Donc, des fois, il y a des demandes spontanées à ce qu'on se déplace. Ou alors, ça peut être suite à différents diagnostics, il y a une fatigue chronique qui s'installe au niveau des personnes dans l'habitat. Des crises de colère, des énervements, le sommeil qui est très perturbé, voilà. Ou même des fois, on a des cas de personnes qui tombent malades et à qui on a parlé de la géobiologie et qui se disent « bon, bah, maintenant, je vais faire le travail ». Et puis aussi, des maisons, des fois, qui, comment dirais-je, où les meubles bougent tout seuls ou… Voilà. Ce qu'on appelle communément les fameuses maisons hantées qui ne sont pas un mythe, puisque… Voilà. Les gens sont restés accrochés à ces maisons. C'est ça. Après, on reviendra sur la notion de hantise. Oui. Parce que c'est très important de pas. Enfin, il faut vraiment utiliser les mots. Les maisons hantées, en fait, c'est des personnes qui sont dans les maisons et qui n'en sont pas parties, tout simplement, et qui demandent de l'aide. Donc, en cela aussi, en géobiologie, la façon aussi dont on traite les maisons. Fait que non seulement on aide la maison, on aide les habitants, puis on aide aussi ceux qui sont habitants, mais moins déclarés, et donc à prendre leur envol, on va dire ça. Et donc on parle beaucoup des habitations, mais donc on fait aussi des commerces. Donc la plupart du temps, les commerces, c'est quand il y a éventuellement une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires. On a eu l'occasion de faire divers types de commerces, et dont certains, on a eu les retours avec des augmentations de chiffre d'affaires. Ah d'accord, ah oui, ça va oui. Donc jusque là. Bah, oui, en fait, c'est par effet domino, puisque en fait, dans un commerce, si les clients se sentent mieux dans un endroit, ils restent plus longtemps et le panier moyen augmente, parce que bah tiens, ils ont oui, état de bien-être, on est plus détendu, donc on va consommer plus facilement. Oui, on a un endroit qui a été mesuré quand même à plus de 13%. À plus de 13% d'augmentation de chiffre d'affaires. Ah, d'accord. J'ai cru qu'on était encore sur le pourcentage entre le cosmos et les énergies de la Terre. C'est bon à savoir, mais tous les commerçants de la région vont vous contacter après cette émission. Vous en avez eu bien conscience. On en a quelques-uns. On en a de plus en plus, ouais. Je dirais. Pour la vente de maisons, on a aussi des personnes qui nous font venir des grosses propriétés ou des gîtes, des choses comme ça. Les gens nous font venir spécifiquement pour faire le nettoyage et faciliter la vente. Donc ça aussi, on a pu remarquer que ça avait un réel impact sur les ventes. D'accord. Ah ben, je suis surpris, mais merci pour ces informations en tout cas. Une question que je voulais vous poser, plusieurs personnes qui vivent dans la même maison, par exemple une maison où un des habitants a des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil importants, et les autres pas, ils dorment comme des loirs. Comment on l'explique ça ? C'est-à-dire qu'il y a une partie des habitants qui sont, eux, ils sont pépères avec les énergies qui circulent, et puis il y a une personne dans le tas, elle, ça lui va pas du tout. Alors en fait, c'est bien pour ça qu'on fait un diagnostic par pièce, parce qu'on a parlé uniquement du niveau cosmotellurique, mais donc il y a aussi les différents points dont on a parlé, donc des points qui peuvent être géopathogènes. Et si dans la chambre ou même sur le lit, la personne a un point géopathogène, ça peut effectivement la gêner au niveau du sommeil. On va aussi regarder l'orientation du lit dans la pièce. Ça aussi, ça peut avoir un impact sur le sommeil. D'accord. Donc, c'est plus l'habitant qui est concerné par telle pièce. Par exemple, l'enfant qui dort dans telle pièce, c'est lui qui va avoir les troubles associés au déséquilibre vibratoire de la pièce, si je peux dire. Oui. Mais déjà, si on en discute un peu avec les nuréens, ils vont s'apercevoir que, par exemple, assez souvent, vous avez un canapé 4, 5, 6 places des fois, hein,
Et puis, il y a toujours une place qui est inoccupée. Personne ne veut cette place-là. Par contre, les gens vont se battre pour aller sur les autres. Et très étonnamment, souvent, le point qui, la place qui est occupée, bah, on a un point qui ressort d'énergie qui n'est pas terrible. Et en fait, les habitants, dans l'inconscient, parce qu'ils ne sont pas vraiment conscients, ressentent ce point et ne veulent pas s'y asseoir. Et je suis sûr que pendant qu'on est en train de vous expliquer ça, les gens disent, bah, tiens, c'est vrai, ou alors une place à table, personne ne veut s'y mettre. Donc, faire de la géobiologie à la maison, pour détecter un point nocif, on regarde le coussin qui est le moins usé et on met une croix dessus. Ouais, il y a d'autres techniques. C'est par exemple regarder où le chat se met. Où le chat se met, généralement, c'est des endroits qui ne sont quand même pas terribles. Naturellement, je veux dire, si on lui a installé son coussin à un endroit, bon, bah, il va être tenté d'y aller. Mais si c'est un endroit naturellement où il se pose, ce ne sera pas forcément un endroit très, très intéressant pour les humains. Ah oui, on a tendance à penser le contraire, c'est-à-dire que le chat va se mettre sur un endroit qui est bon pour nous. Non, nous, on a constaté que le chat était un peu un guérisseur. Et donc, du coup, je vais faire une parenthèse. Si jamais le tien vient et se couche sur l'ordinateur, c'est aussi parce qu'il dégage de la chaleur. Ah, t'as vu la fameuse photo? Oui. Newton crevé après la préparation d'hier soir. Ah oui, il était KO, quoi. Du coup, dans une maison, ça aussi, ça peut être un indicateur. C'est pas fiable à 200%, mais quand même, c'est un indicateur. D'accord, c'est bon, ça va. Un commentaire d'Amédée qui nous dit « Évitez les maisons en T, préférez les maisons en L. Est-ce que la forme d'une maison a une influence sur le bien-être qu'elle procure ?» Alors, je pense qu'il y a un super jeu de mots, le T et le L. Ah ouais, d'accord. Ok, comment passer pour un âne en direct? Merci à m'aider. Hein. J'ai compris. Une maison hantée. Ok. En plus, j'aurais dû m'en douter. À m'aider, c'est un habitué des blagues. D'accord. Ok. Très bonne blague. Merci à m'aider. Nous poursuivons. Alors, tout à l'heure, Adeline, tu nous disais que vous faites ce diagnostic pièce par pièce avec ce fameux outil en laiton que vous nous avez présenté. Une fois que le diagnostic est établi sur plusieurs points, j'imagine que vient le moment de l'action, c'est-à-dire la thérapie, la réparation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et à ce moment-là, ça se passe comment? Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle la correction. Donc, c'est-à-dire, pour faire la correction de la maison, nous, alors, il y a certains géobiologues qui, du coup, signalent les zones aux personnes. Et vont leur dire, du coup, il faut déplacer les meubles, font des coups en disant, là, il ne faut rien mettre. Nous, on va utiliser la technique des pierres levées, c'est-à-dire qu'on va utiliser une pierre qu'on va informer pour qu'elle puisse neutraliser les points, neutraliser les mauvaises énergies. Et en fait, cette pierre, on va l'installer, pareil, en guidance, on demande où l'installer dans la maison. Et donc, elle va permettre de détourner les points. On ne déplace rien, la nature est équilibrée, on n'a pas à déplacer. Donc, on détourne simplement sur la zone d'habitation et après, les réseaux, les points reprennent leur place. C'est assez intéressant ce que tu dis là parce qu'on peut peut-être le mettre en perspective avec l'utilisation des mégalithes. Est-ce que les menhirs peuvent avoir cette fonction-là? Oui, alors en fait, quand on dit lever une pierre, c'est on lève un menhir. On lève un menhir. Mais on les fait en format réduit. Oui, des mini-menhirs. D'abord, on n'arrive pas. Et d'abord, on n'a pas Obélix dans nos potes. Donc, oui. Pour livrer, c'est pas évident. Et puis, non, ceci étant dit, les Celtes, dans le temps, levaient des menhirs pour informer de leur puissance. Et donc, ça devait repousser les ennemis, par exemple. L'énergie qui était mise dedans, c'était pour qu'on n'ait pas envie de s'approcher de leur zone, par exemple. Simplement. C'était déjà des pierres de protection, en fait. D'accord. Et alors, on nous demande souvent aussi, est-ce que la composition de la pierre a une importance? Alors, nous, pour les maisons, on va plutôt privilégier des pierres qui sont plutôt arrondies, plutôt de couleur blanche. On peut travailler avec une pierre du jardin, une pierre plus anguleuse, simplement, ça va être un petit peu plus long pour la charger, en fait. La forme arrondie permet de la charger plus rapidement. Donc, pour les maisons, c'est des pierres plutôt neutres. Et par contre, il nous arrive très régulièrement d'informer des pierres de protection pour tout ce qui est sort, magie noire, mauvaise pensée à porter sur les personnes, ou même des fois à déposer dans les maisons
où on croise quand même beaucoup de maisons où il y a effectivement des choses qui sont envoyées, où là, on va plutôt travailler avec des pierres spécifiques, en fait, notamment avec des labradorites, en partie. Labradorites ou bien des tourmalines. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça a rapport avec les pierres. Je prends le risque de passer une deuxième fois pour un imbécile. C'est pas grave, ce soir, je me lance. Une question de Benjamin. Il nous dit, allez-vous aborder les orgonites très utiles et redoutablement efficaces? Ça vous dit quelque chose, les orgonites? Oui, on connaît l'orgonite, mais encore une fois, la propriété de la pierre en elle-même est intéressante. Mais au tout début où on faisait de la géobiologie, on prenait carrément une pierre de chez les gens, on la formait et on la posait. Donc, c'est pas tant, en fait, en géologie de l'habitat, en tout cas la façon dont on travaille, c'est pas tant la propriété de la pierre initiale, mais c'est surtout l'information qu'on va transmettre dans cette pierre, qu'elle va diffuser donc, qui va permettre de créer une espèce de cage de Faraday, en fait, autour de la maison, pour la protéger. Donc, oui, on connaît cette pierre-là, il y en a plein des pierres. On n'est pas spécialiste non plus lithothérapeute, hein, faut le dire, mais en fait, il n'y a pas une très très grande importance, sauf effectivement sur des cas particuliers, au niveau, en tout cas pour nous, c'est notre vision des choses, hein, mais chacun est libre de faire autrement, c'est notre façon de travailler. D'accord. Alors, toi Adeline, tu disais tout à l'heure, la pierre, on va la charger. Laurent, tu utilisais le terme informer, c'est-à-dire qu'on va, on va la remplir d'une information. C'est quoi cette information, De quoi vous la chargez, cette pierre, et comment? Alors, peut-être définir déjà les deux points. Oui, il y avait. Voilà. Parce qu'en fait, on n'avait pas tout cité, tous les points pour relever, du coup, ça va apporter les explications. Ok. On a parlé du cosmotellurique, des différents points. Après, ce qu'on va relever aussi, c'est ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques. Donc, en fait, c'est un effondrement du terrain en sous-sol qui va provoquer une faille très profonde. Et donc, de cette faille très profonde, va sortir une énergie. Donc, en fait, les cheminées, elles sont classifiées en plusieurs couleurs. On va dire, il y en a, c'est des énergies qui sont très fortes, très puissantes. Donc, on pourrait dire qu'elles sont bonnes, sauf qu'elles n'ont rien à faire dans une maison. En fait, c'est beaucoup trop puissant. Et ça peut créer des tensions, de l'énervement. On accuse des fois les enfants un peu d'hyperactivité, ça peut être lié à ce genre d'énergie. Il y en a d'autres aussi qui vont avoir tendance à être à aspirer, je dirais, à vider au niveau de l'énergie. Donc ces différents types de cheminées. Donc après, ces cheminées, elles ont des diamètres différents. Et en géobiologie, on compare souvent la cheminée à un animal, c'est-à-dire qu'elle peut avoir plusieurs bras. Donc elle peut avoir 2, 4, 6 ou 8 bras. Et souvent, au niveau des bras, en fait, on va retrouver des points qui sont géopathogènes. Donc on repère aussi donc les cheminées cosmotelluriques. Après, on va relever aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les mémoires des murs. Donc là, même si c'est une maison neuve, on peut avoir on dit le terme mémoire des murs, mais ça peut être des mémoires qui sont liées au terrain. On peut les retrouver dans les maisons. Donc les mémoires des murs, ça va être toutes les émotions. Si on a eu une grande tristesse, de la colère ou de la maladie, où on a pris une mauvaise nouvelle, en fait, ça vient se déposer et laisser une mémoire au niveau du lieu. C'est de l'information qui reste et qui parasite le lieu. Oui, oui. Voilà, voilà. Qui peut être lié, d'ailleurs, il y a plusieurs sources, hein, sur les mémoires des murs. Bien sûr, ce peuvent être les habitants eux-mêmes, actuels, qui ont eu un choc psychologique. On a eu le cas, par exemple, d'une dame, malheureusement, qui nous a fait venir dans cette maison. Et dans la cuisine, c'est une maison quasiment neuve. Donc ça, je le précise, parce que souvent, les gens disent, bon, une maison neuve, on est tranquille. Et ça dépend. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'histoires pour que l'histoire ne soit pas terrible. C'était la deuxième habitante. Et les premiers habitants, en fait, la dame, en fait, était battue. Donc, désolé. Et on a trouvé la mémoire des murs dans la cuisine, par terre, à un certain endroit. Et la dame m'a expliqué que sa précédente... la dame qui habitait là avant, en fait, était battue par son mari et il la mettait à terre à cet endroit-là. En fait. Donc voilà, on comprend mieux. Parce que mémoire des murs, on pense toujours à un décès, pas forcément un décès, hein, donc une peur, une douleur attachée à l'endroit reste. Et ça peut être attaché donc à la maison. Enfin, en l'occurrence, c'était la précédente habitante. Ça peut être lié au terrain. Autrement dit, vous construisez une maison sur un terrain. Maison neuve sur un terrain
ne connais pas l'histoire du terrain, si il y a eu des batailles, si des massacres, etc., 620 ans. Oui, et voilà. Là aussi, on parle beaucoup des mémoires humaines, mais ça peut aussi être des mémoires animales. Sur des, par exemple, des personnes qui construisent sur un pré, ou même des animaux sauvages. On a déjà eu des mémoires, voilà, mémoires animales. D'accord. Liées également aux objets. On peut avoir des mémoires des murs, on appelle ça les mémoires des murs, mais liées aux objets qui ont été rapportés aussi. Oui, qui, eux, amènent avec eux leur enveloppe d'informations qui n'est pas forcément appropriée à l'endroit. Oui. Un truc aussi en géobiologie, alors pendant qu'on en est là, on déborde un petit peu de l'habitat, mais les bijoux, par exemple, que l'on porte, se chargent des émotions. Alors ça, on n'y pense pas. Mais du coup, si vous allez, mais un enterrement avec une chaîne, et puis vous êtes très triste, vous enlevez votre chaîne, vous touchez tout ça, 6 mois après, vous remettez la chaîne, elle est toujours informée de cette émotion-là. Donc là aussi, je sais que ça paraît bête, mais il faut désinformer, donc il faut nettoyer en quelque sorte les bijoux. Alors pour les nettoyer, on va vous donner un petit truc. Ah bah oui, on veut bien. Si vous voulez. Vous pouvez éventuellement les mettre dans une géode d'améthyste, mais tout le monde n'en a pas. Une géode d'améthyste. Alors une géode, c'est, si tu ne connais pas, c'est quelque chose qui est un peu haut, comme ça, creusé. Ah oui, c'est les fameux, oui. Tu vois, en cristal de roche aussi. Cristal de roche aussi. Donc dedans, on a des cristaux donc, qui nettoient, en fait. Ce n'est pas les cristaux en soi qui vont nettoyer, c'est l'onde de forme que forme la géode, en fait, qui va venir nettoyer. Voilà. Mais bon, comme c'est un petit peu onéreux, il y a une technique qui est pas mal aussi, c'est tout simplement la coquille Saint-Jacques. Belle coquille Saint-Jacques, vous mettez des bijoux dedans, une nuit dedans, et l'onde de forme va venir nettoyer en fait, le bijou. D'ailleurs, pour ça que les bénitiers à l'entrée des églises ont cette forme-là. Parce que l'eau est donc purifiée déjà par l'onde de forme. Bon, ensuite, il y a la notion religieuse qui intervient. Voilà. Et puis, bien évidemment. Et nos amis alchimistes, ça va leur plaire, ça. Oui, voilà. Mais l'onde de forme vient nettoyer tout à fait l'eau, en fait. D'accord. Alors par contre, on ne fait pas déborder la coquille, hein. On en prévoit plusieurs pour vraiment que ce soit qu'on garde bien cette forme, que ça ne fasse pas un gros paquet de bijoux par-dessus la coquille. Donc si je comprends bien, je résume, on prend la coquille Saint-Jacques, on met un peu d'eau, le bijou dedans. Non, même pas d'eau. Non. Même pas d'eau. Non. Ah, même Il n'y a pas besoin d'eau. C'est vraiment l'onde de forme. D'accord. Voilà. Bon. Donc on va faire le plein de coquilles Saint-Jacques cet été à la mer et on va nettoyer tous les bijoux de la maison. L'expérience à faire aussi, si tu as un mauvais vin, un vin qui picote, qui n'est pas très bon, alors que les viticulteurs ne m'en veuillent pas, parce qu'on ne va pas avoir un super cru après, un demi-verre de vin dans une coquille Saint-Jacques, on laisse un peu, le vin va reprendre un tout petit peu de couleur. On dit. D'accord. Bon, pas le même. Ça n'a pas changé du vinaigre en Bordeaux non cru, mais... Non. Bon, alors donc si je vous comprends bien, on peut tout faire avec les coquilles Saint-Jacques. On nettoie les bijoux et à table, on met plus des verres, on met des coquilles Saint-Jacques et on verse le pinard dedans. Le mauvais pinard, tu sais que tu. Non, mais par contre, c'est vrai que pour les bijoux, c'est très efficace. D'accord. Mais merci pour ce conseil. Peut-être que tu veux poursuivre Adeline sur la liste que tu avais faite du diagnostic, du diagnostic que vous faites sur les maisons. Donc après, on va traiter tout ce qui est, enfin, on va faire les relevés de tout ce qui est pollution électrique et pollution électromagnétique. Donc on va faire le tour de toutes les lampes, les plaques, on fait un peu la guerre au micro-ondes, on essaie d'avoir un rôle aussi éducatif pour montrer un peu ce que peut provoquer ce genre d'outil. Donc on va faire tout ce diagnostic-là. Et après, on va aussi faire le relevé de ce qu'on appelle les objets basse vibration. Donc, les objets basse vibration, c'est les objets qui ont été soit offerts à contre-cœur ou éventuellement fabriqués dans des conditions un peu difficiles. Oui, ou des objets qui ont blessé des matériaux. Oui, on a eu ça. Ouais. On a eu le cas, par exemple, d'un meuble de cuisine. En fait, la personne, on avait l'élément de cuisine qui vibrait mal. Et en fait, la personne, quand elle a voulu l'installer dans sa cuisine, elle se l'est prise sur le pied. Donc, elle a juré
sur le meuble. Et en fait, ce genre d'événement dépose une émotion sur l'objet. Ou même des jouets d'enfants, par exemple, un enfant qui tombe avec un jouet, ça peut rendre l'objet, du coup, basse vibration. D'accord. Donc je connais une porte de placard dans ma cuisine. J'ai dû la charger au fil des années assez négativement. Enfin, peut-être falloir que je pense à la faire nettoyer parce que je l'ai pris un paquet de fois. Voilà. Donc là aussi, ça peut être des objets anciens, mais aussi des objets neufs. On a eu également l'exemple d'une paire de chaussures, une paire de baskets neuves. Et en fait, quand on connaît la marque, on sait que c'est fabriqué la plupart du temps par des enfants dans des conditions pas très agréables. Et les baskets vibraient mal. Voilà, donc aussi ce genre de relevé. Tout notre environnement est concerné par ces informations parfois négatives. Est-ce que, à l'inverse, il y a certains objets, meubles, qui peuvent être chargés positivement? Oui, bien sûr, oui. Après, c'est vrai qu'on ne fait pas ce relevé-là, ou alors des fois, on va avoir justement l'information en guidance, et le contact éventuellement, ça peut être des objets... de défunt, et où ils nous disent, ah bah tiens, cet objet-là, c'est moi qui l'ai offert, ou ça m'appartenait, et nous précisent qu'ils sont très contents que la personne l'ait en sa possession. Oui, c'est possible. Alors, tu parlais des ondes électriques, Adeline, un truc qui est présent maintenant dans toutes les maisons, la nôtre, la première, les ondes Wi-Fi. Comment ça se passe? Comment vous le ressentez dans une maison? Est-ce que vous avez des conseils à donner sur l'utilisation de cette technologie-là? Alors, au minimum, de couper le Wi-Fi la nuit, déjà. On peut programmer, mettre des programmations et au moins le couper pour la nuit. Couper aussi les téléphones, donc à la fois le mode avion, mais aussi enlever la position. Parce qu'on s'aperçoit que même en mettant en mode avion, si on fait les tests, on a encore des ondes. Si on n'enlève pas la position, en fait, ça envoie en continu. Donc, éviter de dormir avec les téléphones, les tablettes sur la table de nuit. Et ce qu'on voit beaucoup et de plus en plus chez les jeunes, c'est même carrément dans le lit, on a l'ordinateur, on a le téléphone sous l'oreiller. Et ça, c'est prouvé. Il y a énormément de cancers qui arrivent à cause de ça. On en a vu encore un cas aujourd'hui. Ouais. Hein, c'est vraiment... Bon, on a fait une maison cet après-midi, le jeune homme dort avec son ordinateur dans le lit, quoi. Un portable dans le lit, avec une connexion évidemment Wi-Fi. Ouais, donc au moins prendre ses précautions. Au moins prendre des précautions la nuit, quoi. Couper au maximum toutes ces nuisances. Oui. Après, il y a des dispositifs qui existent, qui permettent la réduction d'émissions et en tout cas de pollution par les ondes. Alors, il y en a pas mal. Il y a Yann Nipnik, par exemple, qui a créé un dispositif avec une ardoise et une fleur, intéressant. Il y a le disque Russanoff aussi, qui est très bien pour les compteurs Linky, notamment. J'avais des commentaires, d'ailleurs, sur le compteur Linky, qui suscite beaucoup de polémiques. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de le disque, comment tu as dit? Russanoff. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un disque en céramique, en fait, qui se pose à plat. Sur le compteur et qui va vraiment neutraliser un maximum toutes les ondes au niveau du compteur. Ouais, c'est intéressant. Yann aussi a fait quelque chose qui est pas mal aussi. Il y a des petits dispositifs aussi internes qui existent. Nous, on a mis ça au cabinet, donc c'est tout petit comme ça. Et ça va réduire les champs, en fait, tout simplement les champs vibratoires de ces objets-là. Quand on fait la géobiologie de l'habitat. Sur les téléphones, tout ce qui est tablette, on donne aux personnes une onde de forme qui permet aussi, on a pu tester avec les appareils, qui permet aussi de réduire les champs également. Mais on ne les supprime pas tout à fait. Quand tu dis donne une onde de forme, c'est un objet qui va créer C'est une photocopie, c'est sur un petit bout de papier, il n'y a pas besoin, parce que je sais qu'ils se vendent des choses qui sont très très chères faire diminuer les champs, et là c'est juste une photocopie du nombre de formes qu'on a et qu'on découpe et qu'on vient mettre dans la coque du téléphone, et ça peut jouer sur les champs. D'accord. Alors, ça ne va pas supprimer. Non. Ça ne va pas du tout supprimer les champs, mais par contre, on a mesuré que ça diminue à peu près de moitié. Ce qui est déjà pas si mal. C'est déjà énorme. Ceci étant dit, si vous dormez avec le téléphone là, voilà, surtout que maintenant il y a des smartphones partout, c'est pas la peine. Oui, et puis il y a aussi tout ce qui est.
Moi, je viens prévenir aussi, surtout ce qui est les babyphones un peu en Wi-Fi maintenant pour les enfants avec des caméras, des choses comme ça. Ça, c'est à éviter absolument parce que très souvent, c'est placé proche de la tête du bébé, sachant que le crâne n'est pas fini de former, les fontanelles ne sont pas refermées. C'est prouvé que les ondes, on va dire sur un adulte, on va venir à un quart du cerveau et sur les enfants, ça traverse complètement. Donc, sur les chambres d'enfants, quand il y a des enfants, vraiment éviter tous ces outils, moi j'appelle un petit peu des gadgets, de babyphone en wifi, de choses comme ça. Ouais. Essayer de préserver au maximum les enfants et les adultes aussi, bien sûr, mais au moins sur les enfants, de couper la nuit et d'éliminer toutes ces choses dans leur chambre. En fait. D'accord. Bah, oui, pareil qu'ils appelaient ça le progrès et on voit que ça prend avec des pincettes. Oui. Alors, on a aussi un appareil qui mesure les champs. Je voudrais vraiment faire une parenthèse sur les micro-ondes. Parce que Adeline et moi, on milite pour l'arrivée d'une nouvelle épreuve aux Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire le lancer de micro-ondes. Ah, mais moi, je ne suis pas mauvais à ça. Ouais. C'est particulièrement mauvais, et ça, il faut vraiment le dire. Je suis désolé de le dire, mais non, je ne suis pas désolé de le dire d'ailleurs. Les champs de micro-ondes sont particulièrement nocifs. D'une part, pour les aliments qui sont transformés, qui sont chauffés par frottement des molécules, ce qui les dénature complètement. Et aussi, quand on fait les maisons en géobiologie, on a un petit appareil qui mesure le champ. Donc, on fait essayer aux gens leur micro-ondes et on leur fait voir qu'il y a des doses quand même létales qui peuvent varier d'un mètre autour du micro-ondes à 3 mètres. On en a vu un aujourd'hui, c'est pas plus tard que ce matin. Je veux dire, la pièce était petite, certes, mais quand même, toute la pièce baignait dans le... Dès qu'il y avait quelque chose qui chauffait, tout baignait dedans, quoi. Donc en plus très souvent c'est dans la cuisine, donc il est dans la cuisine et vous allez avoir tous les aliments qui sont stockés autour. Donc déjà ce qui est dans le micro-ondes est complètement mort, complètement dénaturé. Ce qui est autour, tous les aliments qui sont stockés autour, on en a très souvent aussi des personnes qui stockent leurs compléments alimentaires, etc. Donc tout est détruit en fait. Et en plus ça a un réel impact sur l'organisme puisque on est composé à plus de 90% d'eau et on sait avec les travaux des motos que l'eau transmet des informations. Et l'eau a une mémoire. Donc, en fait, on informe notre corps avec cette eau complètement dénaturée. Donc, ça déstructure complètement le corps. C'est vraiment nocif. Ouais. Donc, la morale de l'histoire, balancez-vous. Ouais. Il y a probablement d'ailleurs une relation entre ça et la maladie d'Alzheimer, puisque ça, comme la surcuisson des aliments, d'ailleurs, qui va venir transformer en fait, chimiquement la nourriture. Et donc, le corps, en fait, ne reconnaît pas. Donc, en fait, ça passe directement à la barrière intestinale. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cellules ne se reconnaissent pas parce qu'elles sont parasitées. Et voilà, on appelle ça les molécules de Maillard. C'est un chercheur qui a trouvé ça. Donc, vraiment, c'est s'il vous plaît, jetez vos micro-ondes le plus loin possible. Et peut-être qu'on va pouvoir créer cette nouvelle épreuve aux Jeux Olympiques. Moi, je veux juste remercier Nora qui a bousillé il y a quelques années notre micro-ondes en faisant cuire de la pâte à sel pour notre fille. Et merci la pâte à sel, merci Nora, parce que depuis, on n'en a jamais racheté et on ne s'en porte pas plus mal. Une petite casserole à l'ancienne pour faire réchauffer le café ou la purée d'hier, ça va très bien. Ouais, voilà. On va poursuivre, je vois que le temps file vite et on a beaucoup de choses à aborder, mais on va prendre le temps ce soir si vous l'avez. Oui. Moi, j'avais une petite question à vous poser sur, tout à l'heure, tu parlais Adeline des cheminées cosmotelluriques. Oui. Est-ce que quand on vit en immeuble, on est impacté de la même manière par les énergies telluriques? Tout à fait. Qu'on soit au rez-de-chaussée ou au 10e étage, en fait, la cheminée et les points, on va les retrouver aux différents étages. Ouais. C'est-à-dire que vous, en tant que géobiologue, vous pouvez intervenir aussi sur... vous êtes amené aussi à intervenir sur des maisons à étages et des immeubles d'habitation. Oui, tout à fait. Ouais, on en a fait d'ailleurs. Ouais. Quand il n'y a pas d'ascenseur, il faut les monter, les pierres. C'est pour ça qu'on a réduit le menhir. Voilà, c'est ça. En quantique, voilà, on s'est permis de prendre des menhirs plus petits. Il y a aussi le nettoyage des terrains. Hein. Ouais. Ce qui se fait aussi beaucoup maintenant, c'est le nettoyage des terrains avant la construction des immeubles. Ouais. Donc, du coup, tous les points sont éliminés à partir du sol. Et donc, en fait, l'immeuble se construit et il n'y a plus d'énergie. C'est vraiment protégé. À savoir aussi qu'il y a certains groupes de constructeurs immobiliers qui font appel à des géobiologues, ils ne vont pas forcément le dire, mais quand ils construisent des logements neufs, en fait,
ils font venir les géobiologues avant parce qu'ils se sont aperçus que de toute façon les ventes étaient facilitées. Donc voilà, même sur plusieurs appartements, ils font le travail en, certains font le travail en géobiologie, mais ne l'affichent pas aussi. Ouais, forcément. D'accord. Merci, merci pour ces précisions. Adeline, je te laisse poursuivre sur la longue liste des points à vérifier sur une maison. Donc le point suivant, c'est ce qu'on appelle les vortex. Donc là, les vortex, ce sont des portes multidimensionnelles. C'est-à-dire qui permettent l'accès à d'autres dimensions. Donc que ce soit les défunts, les guides ou les autres dimensions, donc éventuellement d'autres planètes, on va dire. Voilà. Donc là, le vortex, pour venir le repérer, en plus, c'est là pour le coup, c'est très visuel. On utilise la boussole en fait, et le nord va changer. Va changer de sens. Et donc, comme ça, on peut repérer les vortex. Et oui. Non, vas-y, je t'en prie. Alors, sachant que les vortex, en plus, très souvent, ils vont être adaptés aux personnes qui sont dans l'habitat. C'est-à-dire que tu vas relever un vortex dans une chambre d'enfant. Il faut chercher là-dessus. C'est là où on remercie vraiment Philomène la guidance pour cela. C'est-à-dire que au début, on cherche, donc c'est très souvent vers les fenêtres, mais ça peut aussi être dans les murs. Et donc, quelquefois, on cherchait en hauteur, et là, on nous a dit non, on cherche un peu plus bas. Et les vortex étaient pile aux tailles des enfants, ou même c'est arrivé aux tailles des animaux. D'accord. Alors, voilà. On va prendre un petit peu de temps sur cette histoire de vortex quand même, parce que là, c'est un truc énorme. Vortex, donc si j'ai bien compris, c'est un portail. Entre dimensions, donc qui dit portail dit passage. Tout à fait, dans les deux sens. Donc à la fois de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers venir nous chercher et nous ramener par cet endroit-là. Et c'est arrivé dans certaines maisons, mais quand je suis dans mon lit, je vois passer. Ou alors de décrire la maison vue d'un point de l'extérieur, en fait. Donc, c'est vraiment des portes dans les deux sens. D'accord. Alors, juste deux petites secondes, parce que forcément, on parle de vortex interdimensionnel, etc. Et on a un bug sur le son. Donc, on a eu quelques petites coupures sur ta dernière phrase, Adeline. Donc, est-ce qu'on peut reprendre sur cette histoire de vortex? Parce que je crois que, comme moi, les Nuriens n'ont pas dû bien comprendre ce que tu nous disais. Ça faisait un son de martien, justement. Donc, tu disais, ces vortex, ils servent à passer d'un côté comme de l'autre. Ça voudrait dire que des entités exogènes, celles qui mettraient en place ces vortex ? Alors, moi, on n'aime pas le terme entité. Ça va être, ça peut être les guides, les défunts qui viennent rendre visite ou qui vont surveiller. Et donc, les autres dimensions. Donc là, les autres dimensions peuvent venir et effectivement, faire ce qu'on appelle des rapts, en fait. Et alors, par contre, on pose toujours la question si c'est un vortex à désactiver ou à laisser actif. C'est-à-dire que quand c'est à laisser actif, on est visité par ces autres dimensions, mais c'est pour nous aider justement à reconnecter et à travailler sur cette connexion qui nous manque, en fait. C'est vraiment pour recréer ça. Et quand c'est des vortex à désactiver, c'est soit des vortex qui datent des propriétaires d'avant, ou alors c'est des vortex qui permettent l'accès à des dimensions qui sont un peu moins sympas avec nous. Et ce genre de vortex, en fait, si tu te rappelles, je crois que j'avais dû parler de ça dans la toute première émission qu'on a faite, qui était dédiée aux ovnis, où, donc du coup, sur des enquêtes aussi... ufologique, avec des enfants, on avait pu retrouver ces vortex même dans des endroits qui étaient absolument incroyables, dans des parties de murs, etc. Et justement, c'est grâce aussi à ces enquêtes ufologiques qu'on a pu recroiser ça dans la géobiologie et se dire bah, maintenant, on a peut-être quand même intérêt à regarder s'il y en a ou pas dans les maisons. Et on en trouve beaucoup. On en trouve. Et très souvent, en plus, quand on discute, c'est assez souvent dans les chambres d'enfants ou des personnes qui vont s'éveiller un petit peu, qui vont travailler. Et chez les enfants qui ont pour la plupart gardé cette connexion, en fait, quand on discute avec eux, ils nous disent « Ah ben, de toute façon, c'est toujours à cet endroit-là qui visualise quelque chose, qui voit quelque chose, en fait, très souvent. »
Ça fait quand même un petit peu froid dans le dos ce que vous nous dites là. Ou pas, parce que en fait, il y a une association, là, je précise, en France, qui étudie le phénomène d'enlèvement, en fait. C'est une association qui s'appelle le CERO et qui retrace justement les enlèvements comme ça. Les Américains sont beaucoup plus en avance que nous dans ce domaine-là, mais ça existe aussi en France, il faut le savoir, hein, il y a des gens qui font un travail sérieux là-dessus. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais croisé nos informations entre les vortex et les enlèvements, mais ce serait intéressant de le faire. Toujours est-il que ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, comme le disait Aline. On a des enfants, souvent, qui vont, qui viennent. On a eu le cas d'une stagiaire qui nous a fait voir des images de son fils, en fait, qui est revenu un matin, enfin, s'est réveillé le matin, et il avait des dessins sur l'avant-bras, boursouflé, comme brûlé, mais pas de douleur. Elle a pris des photos, ça disparaît au bout de 48 heures. Et quand elle questionnait l'enfant, il dit, bah oui, je voyais la maison d'en haut, je suis passé à travers la nuit. Hein. Donc, on a des témoignages comme ça. Souvent, de moins en moins maintenant, mais souvent, on dit, bah, il a beaucoup d'imagination, cet enfant, il a fait un cauchemar. Parfois, il faut quand même peut-être écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que des fois, c'est très intéressant. Et en plus, il y a un moyen très très simple de le vérifier hein, pour ceux qui écoutent, pas besoin d'être géobiologue non plus. Ils prennent une boussole, hein, tout simplement. Ils vont voir. Donc là, j'imagine qu'il y a plein de gens qui allaient chercher une boussole. Voilà. Après, surtout ne pas paniquer avec cette information-là, parce qu'il y a énormément sur 10 vortex qu'on trouve, il y en a 9 qu'il ne faut pas désactiver. D'accord. Voilà. Donc 90% à peu près sont des choses qui semblent, en tout cas, améliorer. En fait, l'idée, a priori, c'est qu'on est en train d'essayer de nous reconnecter avec un certain nombre de que l'on avait à l'origine. Donc, du coup, il y a une alors, reconnexion. On a eu un petit problème de son pour Laurent. Laurent, est-ce que tu m'entends? Oui, on est là. On a un tout petit problème de son. Je pense qu'il faudrait essayer de faire une déconnexion et reconnexion sur le direct si ça te semble possible. Ouais, c'est possible. Parce que là, on a le phénomène de parasitage depuis qu'on parle des vortex, qui est je sais pas si ce qui est lié ou pas, mais bon, voilà. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Les amis, en attendant que Laurent et Adeline se reconnectent, je ne résiste pas à l'idée. Alors, je sais que ce n'est pas un sujet qui est drôle, mais bon, il y a des choses qui sont quand même assez rigolotes. Et synchronicité ou pas, on a mis hier en ligne sur la boutique Nuria TV ce t-shirt qui fait directement référence au phénomène d'abduction et à l'histoire du très célèbre Stan Romanek, un abducté américain qui a raconté son histoire dans pas mal de livres. Et voilà, ce t-shirt qui nous a assez rire. J'ai été enlevé par des extraterrestres et tout ce que j'ai ramené, c'est ce stupide t-shirt. Voilà, c'était. J'avais envie de vous partager ça. Ça me semblait assez drôle, la synchronicité de mettre ce t-shirt en ligne hier et de se retrouver ce soir à parler vortex, extraterrestre et abduction avec Laurent et Adeline. Je vois qu'ils sont en train de se reconnecter, donc j'ai bon espoir que la connexion soit bien établie et qu'on puisse poursuivre cette émission avec un son digne de ce nom. Rebonsoir Adeline et Laurent, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ça va bien. Bon, alors le son m'a l'air bien, on va continuer comme ça, à mon avis, ça a réglé le problème. Et donc, oui, pour finir sur ces vortex, du coup, tu disais 9 vortex sur 10 ne doivent pas susciter d'inquiétude, et en tout cas ne doivent pas nécessiter d'intervention de votre part. Pour le vortex restant, vous faites quoi? On va venir le désactiver, en fait. On se connecte en guidance et on vient le désactiver. Donc, quand tu dis on se connecte et on le désactive, c'est-à-dire que là, un guide vous aide directement à déconnecter ce drôle oui. de... Oui, là, c'est pas forcément. Bon, Philomène est toujours là, mais appel à d'autres guides, en fait. Qui nous indique la méthode. La méthode, en fait, c'est pareil. La méthode pour les désactiver, on l'a reçue en guidance, en fait, parce que au début, on avait de flex, et donc là, avec la connexion à donner l'information de comment faire pour les désactiver.
D'accord. Bon, bague. Heureusement que Philomène et ses amis sont là de temps à autre. Mais drôle de. Enfin, je sais qu'on en avait parlé avant, toi et moi, Laurent, de ce phénomène de vortex. Et je suis toujours aussi surpris. Ben voilà, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Encore une fois, l'invisible se déroule sous nos yeux et on n'est pas tous au courant. On va poursuivre, si vous le voulez bien, tous les deux. Ben, Adeline, est-ce qu'il y a encore des points sur la longue liste à vérifier dans une maison que tu ne nous avais pas présentés? Oui. Donc, on va vérifier aussi, ça c'est pareil, on a reçu l'information en guidance. On va relever, donc là, soit dans la maison, soit sur le téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obligatoire, hein. C'est pas forcément sur toutes les maisons. Un point d'énergie, ça va être un point sur lequel la personne peut éventuellement se poser, méditer, récupérer. Elle aura accès à une bonne dose d'énergie sur ce point-là. En fait. Voilà, ça, c'est assez simple. Donc ça, c'est le petit coin dans la maison, recharge des batteries. Voilà, ouais. Et donc après, on va relever aussi éventuellement s'il y a des protections. Donc là, les protections, la plupart du temps, c'est des défunts qui vont déposer des protections sur des pièces spécifiques. Donc très, très souvent, ce sont sur les chambres d'enfants où quand on arrive, on a vraiment… et ça peut vous faire à vous d'arriver dans la chambre d'enfant et de dire « Ah, on a l'impression de rentrer dans un autre univers ». Alors certes, il peut y avoir la déco, mais très souvent, c'est une protection qui a été posée par un défunt, en fait, un proche. Une grand-mère, un grand-père, voilà. Aussi. Après, on vient relever aussi ce qu'on appelle donc autre phénomène. Donc là, autre phénomène, ça va être tout ce qui est les passages éthériques. Donc ça va être les passages de défunts. Donc les personnes qui vont passer, qui ne vont pas stagner, mais qui vont faire baisser un petit peu le taux vibratoire de la maison. Et ça peut aussi provoquer quand vous avez cette sensation de courant d'air alors que tout est fermé, tout est chauffé, ça peut faire ce genre de sensation. Donc dans les autres phénomènes, on relève aussi donc les défunts sur place et qui ne sont pas partis en fait. Sujet important, le sujet des défunts. Comment appeler ça? Des âmes errantes? Des âmes bloquées? Non, des défunts. Bah, des défunts qui ne sont pas partis. Des en défunts fait. Qui ne sont pas partis. Bloqués, souvent ils se sont bloqués eux-mêmes d'ailleurs, par peur ou par attachement au matériel excessif. Les maisons hantées sont comment, des gens en fait. Mais on a eu l'occasion. La dernière émission, je vous avais raconté cette histoire où il y avait énormément de défunts dans une maison. Record qui a été battu depuis, qui est quand même championne du monde. Mais où il y a eu un défunt qui ne voulait pas partir, donc on a eu des interactions. Voilà, c'est simplement des gens qui ont besoin d'aide. En fait. Et qu'il faut savoir convaincre. Dans ces cas-là, vous faites ce qu'on appelle communément le job de passeur d'âme. Enfin, le job. On appelle ça des passeurs d'âme. Tu parlais de cette maison, Laurent, qui a battu le record de défunts qui sont restés dans ces lieux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça, c'est une petite maison en plus. Hein. On pourrait croire que c'est un château. Une petite maison que l'on a faite au mois de février cette année, et on a dénombré 26 défunts non partis en fait, 26 personnes qu'on a aidées à partir en fait. Donc ça, c'était vraiment un cas exceptionnel parce que généralement, mais ce qui était intéressant, 26 défunts en fait, on a pu recouper parce que nous on a eu des formation, vraiment des groupements, parce qu'il faut savoir que quand on fait partir les défunts dans la maison, en fait, ils ont toujours ce qu'on appelle un point d'accroche. Donc, il faut venir trouver le point d'accroche. Et là, sur les 26, on va dire, ils étaient souvent regroupés par plusieurs. Et donc, nous, on avait à deux endroits différents une quantité importante de personnes.
et on sentait vraiment de la maladie, donc c'était la peste et la tuberculose, enfin je sais plus. Et on avait vraiment, enfin voilà, on avait l'info sur les gens, et donc les propriétaires ont pu nous confirmer qu'effectivement à cet endroit, à des années différentes, à des époques différentes, les maladies s'étaient arrêtées à ce niveau-là, et il y avait eu effectivement ces maladies sur les lieux. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser sur ce phénomène des défunts qui restent ancrés dans notre 3D et dans des murs, pourquoi ce phénomène se produit-il? On a reçu beaucoup d'intervenants sur ce sujet. Certains nous ont donné leur version. Je reprends par exemple Olivier Enfouks, qui exerce le métier d'embaumeur, qui lui nous expliquait que ça arrive souvent dans le cas de morts tragiques, assez rapides, assez accidentelles, où le défunt n'aurait pas forcément conscience qu'il est défunt. Il y a Daniel Aran, un autre invité, qui nous expliquait que souvent c'était le cas de personnes qui étaient trop attachées au monde matériel et qui du coup n'arrivaient pas à s'en défaire. Vous, votre lecture de ce phénomène d'âme prisonnière de notre 3D, quelle est-elle? Alors, justement, en plus, donc, on entre en interaction avec eux, et effectivement, très souvent, donc, ce sont des personnes qui sont parties très subitement et qui ne se sont pas rendues compte effectivement qu'elles étaient mortes, donc du coup, elles sont restées bloquées. Il peut aussi y avoir donc des personnes qui étaient très, très attachées à leurs meubles ou très attachées à leur maison, et aussi, je dirais, le troisième critère, c'est des personnes aussi qui ont eu peur, en fait, qui sont restées dans la peur et qui ont eu peur au moment de partir et qui, du coup, ne sont pas passées, en fait. Il faut savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre, qui est une règle universelle. Et souvent, ce sont les personnes qui ont toujours été baignées de « t'as pas été gentil », donc voilà. Donc, du coup, elles n'ont pas tellement envie d'aller affronter ça, et ce sont ces peurs-là aussi qui les bloquent. Donc, du coup, elles restent là, et elles se rechargent plus ou moins sur leurs congénères qui, eux, sont encore vivants aussi, en puisant l'énergie. C'est ce qui, d'ailleurs, génère des pollutions vibratoires qu'on est amené à dégager lors des soins énergétiques, par exemple, puisqu'ils ont besoin de se recharger à un moment donné. Hein. C'est comme prendre une image, c'est comme un téléphone. Si tu ne recharges pas la batterie, voilà, tu n'as plus d'appel. Donc, il faut se recharger. Donc, ce qu'on fait également avec eux, c'est comme en biologie, avec ceux qui sont là, on discute, on leur explique comment ça va se passer. Ils n'ont pas grand chose à craindre, en fait. Et il y a vraiment une partie presque éducative, en accompagnement, parce que nous, on ne fait rien. Petit, hein, on est juste intermédiaire, on va dire. Et à partir de là, une fois qu'ils ont ces informations-là, qu'on leur montre et que la connexion se fait, ils partent. On a encore pas eu de personnes qui disent non, moi, je ne veux pas partir. Et je reste accroché. Ouais. Ce qui est super aussi pour les personnes, justement, qui n'ont pas forcément, voilà, pour qui ça peut être un peu abstrait, c'est que quelquefois, les défunts, avant de partir, nous disent bon, bah, je ferai un petit coucou aux personnes, donc je ferai clignoter la lumière, ou je déposerai une petite plume, ou je ferai grésiller un coup la radio. Et donc, on passe l'info aux personnes, et très souvent, on reçoit un message ah, bah, le soir même, j'ai eu le petit coucou. Donc, les gens sont très heureux de partir et remercient aussi les personnes qui restent là. Bon, on l'a même des fois en direct. Oui. Puisque avec l'appareil de détection des champs magnétiques et électromagnétiques, on le laisse allumer. Parfois, ils nous font des coupons directs, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucune pollution électromagnétique électrique. Et l'appareil se met à sonner deux points, moins fort, et hop, plus rien. Un petit coucou. Ou alors, quand ils sont pressés aussi, où on est en train de relever les différents points, donc on a les petits gratouillis, on a des chatouilles, ou alors on a l'appareil qui se met à bipper, parce que souvent ils sont quand même impatients de passer. On a des petits coucous comme ça. Donc en général, c'est quelque chose qui se fait plutôt dans la joie. J'ai souvent entendu dire ils vont vers la lumière. Ouais. Est-ce que l'expression vous semble appropriée ou pas? Ouais. Oui. Oui. Alors, j'ai un commentaire d'Hervé qui nous dit, alors lui, il a eu un record de 42 âmes défuntes dans la même maison. Voilà, record battu pour le Guinness, on enregistrera, passeur d'âmes, 42, représente la Loire, j'ai envie de dire, 42. Et Hervé qui rajoute, le meilleur et le plus efficace passeur d'âmes est l'archange Michael. Oui.
encore un guide. Vous, quand vous faites ce travail-là, j'aime pas trop dire travail, mais quand vous faites ça auprès des défunts et que vous les aidez à quitter ce monde matériel, est-ce que vous faites appel à des guides, là encore, est-ce que ça se passe toujours en guidance, et est-ce qu'en l'occurrence, Michael aide la partie? Oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est toujours en guidance. Et donc, comme sur les soins énergétiques, quand on va faire les dépollutions vibratoires de défunts qui se rechargent, sur les maisons, on fait également appel à l'archange Michael. C'est toujours Michael. Oui, toujours. D'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec l'auditeur. Et c'est très marrant parce que, pour information, moi, j'ai croisé quelqu'un qui faisait une conférence sur le passage d'âme. Et c'est une dame que je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle le faisait. Et en fait, elle a expliqué comment elle faisait. En fait, on faisait exactement la même chose avec Michael aussi. Donc, c'est quand même intéressant et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens aussi qui disent « Bah oui, c'est lui. » Sans avoir été dans une école spécifique, la guidance nous amène à faire tous à peu près, je pense, la même chose pour les mêmes problématiques, en fait. Et Michael, ouais. Oui. D'accord. Et pour ce qui est des défunts, très souvent, en fait, les enfants, des fois, vous avez des enfants qui disent « Ah ben, le monsieur m'a dit ça », ou vont regarder, vont bloquer toujours sur un endroit. Donc ça, très souvent, quand on se déplace vers les jeux vidéo dans les maisons, on s'aperçoit que ça correspond aux défunts qui sont bloqués. Donc très souvent, les enfants les voient. Et en tant qu'adulte, on a des fois tendance à dire il a beaucoup d'imagination, il s'imagine discuter avec quelqu'un. Mais très très souvent, ça correspond à ça. Et les animaux aussi. Vous avez un animal, un chien qui va bloquer à un endroit, qui va aboyer toujours au même endroit dans la maison, ou un chat qui va éviter des pièces ou qui va se sauver en courant. Parce que les défunts sont aussi très joueurs et ils s'amusent des fois avec les animaux comme ça à interagir. Et on a déjà eu le cas dans une maison où on a fait partir des défunts et donc on s'était positionné à un endroit et on avait envoyé vers la fenêtre. Le chat n'était pas présent dans la pièce quand on a accompagné les défunts. Et en fait, il est arrivé dans la pièce, et il a reniflé, il a suivi tout le parcours, il est monté sur la fenêtre, jusqu'à la fenêtre, et il a regardé le ciel. En fait. Ouais. Mmh. Là, c'est pareil, les chats, dans leur regard, hein, parfois ils bloquent, puis ils suivent des choses dans le ciel, comme ça, et il n'y a pas de mouches. Ben, c'est pas des mouches. Voilà, c'est qu'ils voient aussi. Ils voient très, très bien. Les chiens aussi, d'ailleurs, hein, les animaux ont cette capacité-là encore plus, on va dire, facilement que nous. Ouais, tous ceux qui arrivent à se débarrasser de leur fichu mental et finalement à ne pas avoir qu'avec leur peur. C'est ça. Et donc, encore et toujours. Après, dernier point qu'on vient relever, en fait, c'est ce qu'on appelle les pollutions venues de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des sorts ou des mauvaises pensées qui sont envoyées sur les habitations. Donc là, on vient faire les relevés et très souvent, en fait, on va lever une pierre spécifique, souvent immatérielle, oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi. Non. Donc, on peut lever à la fois une pierre matérielle ou aussi des pierres immatérielles. Donc là, très souvent, pour ce genre de pollution, comme c'est quand même assez lourd, assez chargé, là, on va lever de façon immatérielle un très très gros menhir, en fait, pour ce genre de pollution. À préciser qu'on est amené aussi à le faire dans le cadre de géobiologie à distance. C'est normal. Donc du coup ça rend les choses beaucoup plus réalisables aussi avec de la distance. Ce qui semble logique puisque comme dit Philomène, la lumière en quantique, pas de temps, pas d'espace, un transfert de soins énergétiques peut se faire, fait un peu partout, on en a fait au Kenya il n'y a pas longtemps, on en fait partout, on peut dénurer un très souvent d'ailleurs, qui ont connu qu'on faisait par Nurea TV. Mais donc, du coup, la géobiologie aussi peut s'exercer à distance, avec des photos, avec des supports, et avec des outils quantiques, et notamment des pierres immatérielles, informées de façon immatérielle aussi, mais déposées. Et avec des. On a des retours derrière, où des gens nous disent bah oui, on a vu la différence. Même avec 6 ou 700 km d'écart entre nous. Oui, ça peut paraître surprenant au premier abord, mais je confirme que la distance n'a pas grand-chose à voir avec l'efficacité de ce genre d'intervention. Donc là, on a fini le travail de relevé.
Ah non, les zones de forme, effectivement, j'ai oublié le dernier point. C'est ce qu'on va appeler les zones de forme. C'est-à-dire, ça va être tout ce qui est les arêtes très saillantes, en fait, ils vont venir faire comme un pic coupé au niveau de l'énergie. Donc, ça va être très souvent les poutres, ou alors, justement, on parlait de la forme des maisons. Effectivement, les maisons qu'on appelle un petit peu d'architectes qui sont très anguleuses, là, on peut avoir ce qu'on appelle des ondes de forme qui viennent couper l'énergie et donc avoir un impact sur les personnes. Voilà. Donc pour ça, rien ne vaut la maison du Hobbit. C'est tout rond. Exactement. Magnifique. Elle est tout ronde, tout va bien. Tolkien avait tout inventé bien avant l'heure. D'accord. Donc ça, c'est tous les points que vous vérifiez. Ça tout en fait déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres, Adeline ? Non. Là, en fait, et donc, tous ces points, on les relève donc, dans toutes les pièces de vie. Et après, sur, je dirais, ce qu'on appelle les pièces d'eau où les personnes ne stagnent pas, on va juste vérifier qu'il y ait effectivement personne qui stagne dans la pièce, mais on ne va pas les relever sur les toilettes ou les salles de bain, sauf si en guidance, on a une indication spécifique sur les lieux, en fait. Voilà. Ouais, ou si tu tombes sur quelqu'un qui lit l'équipe aux toilettes et qui passe la moitié de sa vie. En fait, on rigole parce que ça nous est déjà arrivé en plus sur un gîte, oui. des chambres d'hôtes. Et en fait, on faisait toutes les chambres. Et à un moment donné, au moment de sortir, j'ai bloqué devant la porte des toilettes. Et j'ai aussi le mental qui revient des fois. Et je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. Et vraiment, je bloquais. Et en fait, on a ouvert. Il y avait effectivement un défunt qui était bloqué dans les toilettes. Donc, ça peut arriver aussi. Ah oui. Un stagne dans les toilettes. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. C'était Elvis Presley, non? Non, c'est pas bien, faut pas se moquer, ni des rockstars. Et du coup, oui, une question très, très technique, mais ça vous prend combien de temps sur une maison en moyenne? Il vous faut combien d'heures pour nettoyer une maison? Ça va dépendre des relevés, effectivement, puisque sur les maisons, par exemple, là où il y avait 26 personnes à faire partir, 9 mémoires des murs et 2 cheminées, on a passé beaucoup plus de temps que prévu. C'est difficile pour nous de calibrer en termes de temps. Ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver. Quoi. En moyenne, on va quand même passer 3-4 heures. Quoi. Si c'est une petite maison, en deux heures, c'est fait. Peut-être une heure et demie, c'est pas grand-chose, mais tout dépend de ce qu'il y a à faire. Quoi. On peut pas trop. Donc, on demande toujours le nombre de pièces avant de chiffrer aussi, parce qu'il faut quand même. Voilà. Et puis bah, après des fois de toute façon on a des surprises parfois dans la maison ou pas. Là je dois me rendre à Bruxelles, logiquement il y a un château que je dois visiter. Alors, c'est vraiment impossible de donner un chiffrage en temps ou quoi que ce soit. Ah bah oui, mais si tu pars sur des châteaux là forcément. Voilà, sur des châteaux vraiment à deux on peut y passer une semaine, hein. Vu le nombre de pièces et vu le nombre l'histoire, les doubles. Et le passif qui entoure le bâtiment. Ouais. Ouais. Donc après, voilà, c'est vraiment. Mais bon, sur la géologie d'habitat, c'est une moyenne d'à peu près de 3 heures. Ouais. D'accord. Alors, une petite question pour revenir sur la thématique des défunts qui restent dans les murs. Une question de Christelle. Moi, c'est une thématique que j'ai jamais entendu parler, mais peut-être que vous, ça va vous dire quelque chose. Est-ce que les défunts passent aussi par les miroirs? Même question. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire autour des miroirs? Alors, les miroirs, en fait, il faut savoir une chose. À quoi sert un miroir? À se voir. Bon. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui développent plus ou moins des côtés plus ou moins narcissiques de leur vivant. Des gens qui aiment bien se voir dans les miroirs. Et donc, qui ont un attrait particulier pour cet objet-là. Ce qui est intéressant dans les miroirs, en fait, et en géobiologie, on connaît bien le problème, c'est qu'on peut très bien être amené à... Tu te regardes demain dans un miroir, tu vas te voir toi. Tu prends une photo, tu vas te voir toi, puis peut-être tu auras quelqu'un d'autre sur la photo. Parce que le miroir, lui, va réfléchir les ondes également. Et ce que l'œil humain ne peut pas percevoir, je parle bien de l'œil, eh bien, l'appareil photo, par exemple, il va pouvoir le prendre en photo. Donc, c'est pour ça que les miroirs sont des choses que l'on occulte assez souvent. Par exemple, dans une pièce, ce qu'on dit toujours aux gens, ne jamais avoir un miroir en face d'une fenêtre.
c'est aussi du feng shui d'ailleurs, circulation de l'énergie, ne jamais avoir un miroir en face d'une fenêtre, et surtout si le lit est entre les deux, c'est encore pire. Donc, si telle est la configuration chez vous, vous auscultez, vraiment vous allez mettre un drap, quelque chose sur le miroir, donc là il n'y a pas de problème pour la nuit, ou alors c'est un placard, vous tirez la porte, voilà. Mais surtout c'est quelque chose d'absolument à proscrire. Mais oui, les miroirs, effectivement, mais je dirais que c'est pas que les miroirs, toute surface réfléchissante. Par exemple, on a le cas de défunts qui vont être vus dans l'eau. La personne est en train de se laver les mains, il y a dans un lac ou dans un lavoir, et on prend une photo et on voit la personne, puis on voit quelqu'un qui est à côté, mais qui n'était pas physiquement à côté. La même chose, moi j'ai une photo que j'ai prise sur une fenêtre, où je prends une personne en photo, et il y a une fenêtre à petits carreaux derrière. Dans un des petits carreaux, on a la réflexion d'un défunt, qu'on voit très très bien avec une casquette. Voilà, donc si la personne entend, elle va reconnaître de quoi il s'agit. Voilà, donc effectivement, toute surface réfléchissante peut être amenée à réfléchir d'autres choses que notre image. D'accord. Mais ça aussi, c'est pas fait forcément pour rassurer ceux qui sont un peu effrayés par le phénomène des défunts et des esprits. Oui, alors pourquoi avoir peur, j'ai envie de te dire. C'est vrai. C'est très vrai. L'homme a en général peur de ce qu'il ne connaît pas. Bon. Mais il y a, moi, je pense qu'il y a plutôt à avoir peur des vivants que des défunts. En fait. Mais ça, c'est mon avis. Je suis pas loin de le partager. Ouais. Ceci dit, si demain, en brossant les dents dans la glace, je vois un autre visage à côté, je te garantis pas que mon cœur s'arrête pas. Bon, non, mais c'est qu'il aura sûrement un message à te délivrer, hein, parce qu'ils sont pas non plus là par hasard. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre à chaque fois. Oui, puis on le voit quand on fait des géobiologies ou en soins ou en contact médiumique, en fait. Même les géobiologies, quand on aborde les vortex avec les personnes, même si c'est des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à tout ça, en leur expliquant calmement les choses, en fait, on n'a jamais vu personne paniquer et s'inquiéter. C'est pour ça aussi qu'on passe du temps, c'est qu'on met un point d'honneur à expliquer aux personnes et à leur faire tester les choses et à leur expliquer correctement ce qu'on fait, en fait. Et donc, ça se passe, c'est relativement bien accueilli. D'accord. Qu'on explique aussi forcément tout de suite, c'est déjà mieux. On va aborder un thème pour arriver sur la fin de cette émission. Je savais qu'on y viendrait, et c'est Christelle, encore une fois, qui nous pose une question, qui nous dit « Est-ce qu'un dragon peut être le protecteur d'un lieu ?» Et là, on arrive tout de suite sur des thématiques chères, encore une fois, je l'avais cité en début d'émission, chères à Yann Lipnik, mais je sais que toi, Laurent, tu as eu des expériences, tu as des connaissances là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces dragons, et est-ce qu'un lieu peut être protégé sous l'emprise protectrice d'un dragon? Oui, alors en préambule, je voudrais dire que on avait fait une émission la dernière ou l'avant-dernière. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait que les dragons étaient des animaux du mal, etc. etc. Je ne partage pas du tout cet avis-là. En fait, oui, j'ai eu une expérience extraordinaire. Alors, je vais la saluer au passage. Il s'agit d'Elsa. Elle va se reconnaître si elle regarde l'émission. Qui nous a fait connaître, en fait, moi je connaissais un petit peu ce monde-là, mais elle nous a fait connaître sa dragonne, puisque elle a un dragon femelle, donc il l'accompagne. Et elle nous a fait partager un contact avec ce dragon. Alors, oui, il peut protéger des lieux, des personnes. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on peut demander, et je rebondis sur ce que dit toujours Philomène, hein, pas de bras, pas de chocolat, si on ne demande pas, voilà. Et si on demande des fois, comme c'est pas juste, des fois on n'a pas non plus, mais au moins demander, quoi. On peut tout à fait demander la protection, ou en tout cas l'aide, ou l'appui, ou la compagnie d'un dragon. Ça, alors, je précise que je connais un peu, parce que du coup, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai obtenu. Adeline l'a fait, elle l'a obtenu. Donc, et on a d'autres personnes qui sont venues en stage en géobiologie extérieure qui étaient du coup aussi fascinées avec les dragons, mais avec les propres limitations qu'on se pose, se disaient non, c'est pas accessible. Et en fait, elles ont pris le temps de se poser, de demander, et elles aussi ont pu avoir contact avec un dragon qui les accompagne.
Alors, on va prendre deux petites secondes là-dessus, les amis, si vous voulez bien, parce que quelqu'un qui arrive, qui tombe sur Nuria TV, il allume et il découvre pour la première fois et il se dit, mais ils sont gentils, là, ces trois-là à l'écran, mais il y en a deux là qui me parlent de contact avec Dragon, qu'est-ce qu'ils ont fumé? Et je sais que vous n'avez pas fumé, je sais que vous n'êtes pas mythomane. Donc, il va falloir qu'on explique un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de contact avec un dragon. Concrètement, que ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Comment on sait qu'on est en présence de ce qu'on appelle un dragon? Bah, en fait, on peut nous demander, et après, alors on fait justement une mise en situation, je dirais, quand on fait. Donc, ça, c'est plus sur la géobiologie extérieure, en fait, c'est avec contact avec les autres dimensions de la nature, et C'est donc ça. les dragons. Là, on est sorti, on précise, on est sorti de l'habitat, on est plus dans le domaine de ce qu'on appelle les En élémentaux. font partie. Géologie extérieure. Ah, petite coupure de Pardon, son. t'as pas du tout entendu. Eh ben, moi non plus, j'ai pas entendu votre. Donc, je reprends. Là, vous m'entendez? Bon, oui, juste pour préciser, là, on sort de la thématique géologie de l'habitat, géobiologie de l'habitat, et on est sur de la géobiologie de l'extérieur, et puis dans un monde que beaucoup de gens connaissent aussi, celui des élémentaux, etc., et toutes ces, toutes ces habitants de l'invisible, du moins pour celles et ceux qui ne le côtoient pas. C'est ça. Tout à fait. Donc en fait, Et donc, en stage, je te on fait laisse un poursuivre, exercice. Adeline, on va y arriver. On a une coupure son et un décalage, c'est terrible pour finir, mais on va y arriver quand même. Donc en fait, en stage, on va mettre les personnes en cercle et on va mettre les plus sceptiques à l'arrière et ceux qui sont de l'autre côté du cercle de dos, pour pas qu'ils nous voient. Et on va demander aux dragons qui nous accompagnent de venir. Et en fait, ils vont venir tourner autour des personnes, tourner autour du cercle. Et donc là, les personnes qui sont plus sceptiques à l'arrière vont voir, donc on peut fermer les yeux si on le souhaite, et vont voir en fait vraiment le déplacement et les personnes qui basculent et qui se remettent. Et ça fait vraiment tout le tour. Donc là, on a vraiment un contact. Et donc les dragons viennent et peuvent nous transmettre du coup de l'énergie. Donc c'est ce qu'on peut appeler les soins du dragon. Donc il y a cette façon-là d'entrer en contact avec eux et de montrer aussi aux plus sceptiques vraiment que là il y a un vrai déplacement. Et souvent on arrive à sentir aussi sa taille parce qu'on voit le nombre de personnes qui peut toucher en même temps. Après, comme pour les autres élémentaux, on peut venir au contact en fait. Au ressenti, demander qu'il pose éventuellement une patte dans la main, et on sent une densité, on a vraiment des perceptions au niveau de la main, et pour certains en fait peuvent le visualiser. Et je vais prendre l'exemple d'une personne qui donc avait demandé la présence auprès d'elle d'un dragon, l'avait elle-même visualisé, avait entendu un prénom, et puis bon, elle parler un petit peu comme ça, mais elle n'en avait pas parlé avec ses enfants, en fait. Et un jour, un de ses fils, en fait, lui a dit « Ah, mais maman, il y a une grosse bête à côté de toi, il y a un dragon. » Et donc, lui a décrit les couleurs qu'elle avait vues et a pu aussi confirmer le prénom du dragon. Donc, On en revient à cette thématique des enfants qui, eux, ont des facultés qu'on a, pour nombre d'entre nous, perdues avec le temps. Et là, donc, du coup, sur cette fameuse géobiologie extérieure, c'est ce qu'on apporte pendant les stages. Donc, on fait des groupes sur la forêt de Brocéliande, où on va effectivement rendre encore les choses toujours accessibles aux gens pour qu'ils ressentent les vibrations, que ce soit des fées, des lutins, des Licorne. licornes, des dragons. Et en fait, la vibration n'est pas du tout la Oui, même. il y a vraiment un ressenti différent en fonction de quel élément avec lequel on est en contact. Et pour le coup, pour la licorne, en fait, on peut vraiment sentir les contours. Donc là, ça devient plus concret. Une anecdote marrante aussi avec la licorne. Donc la licorne ne fait pas popo des paillettes. Non, C'est un mythe. il faut qu'on peut l'expliquer si ça est marrant quand même. Oui. Donc Ah en bah fait, j'aime bien. quand on demande si éventuellement il y a une licorne qui veut se présenter, donc cette fois-là, on a une licorne qui était venue. Et donc là, très délicatement, on demande, c'est pareil, hein, on demande toujours la permission, toujours, toujours la permission, si on peut venir
venir au contact. Et donc là, on a placé les stagiaires tout autour de la licorne. Et donc, certains étaient près de la tête et d'autres se sont retrouvés à l'arrière. Et comme quoi on peut avoir le contact sur tous les sens, d'un seul coup, ceux qui se situaient à l'arrière ont eu une très forte odeur de crottin, alors que de toute façon, il n'y avait rien autour, on était en pleine forêt, il n'y avait pas d'animaux. Et donc vraiment, d'un seul coup, plusieurs personnes ont grimacé et ont dit, mais ça sent le crottin, et ceux qui étaient vers la tête n'avaient pas l'odeur. Donc on peut aussi avoir des odeurs. D'accord, tous les sens peuvent être sollicités. Oui. Justement, en parlant de sens, j'aimerais revenir sur cette expérience que vous faites en groupe, c'est-à-dire où vous mettez les personnes les plus sceptiques face au phénomène à l'extérieur du cercle pour qu'elles puissent observer ceux qui sont à l'intérieur du cercle se faire en quelque sorte bousculer par le dragon, du moins qu'il y a un déplacement dû à la présence du dragon de ces personnes-là. Est-ce que ça veut dire que les personnes sceptiques, qui sont, j'imagine, trop dans le mental, ne peuvent pas être poussées par le dragon? Alors si, elles font partie du cercle, mais elles sont en arrière. Donc elles sont poussées aussi, mais en même temps, elles voient que les autres sont poussées en même temps. D'accord. Parce qu'on voit aussi que les personnes qui ont un mental assez fort vont se faire bousculer, vont se dire « oui, mais bon, je m'attendais à un dragon, donc forcément j'ai bougé. » C'est mes jambes. Ou vont trouver une explication. Et là, quand elles voient qu'elles bougent et que les autres bougent en décalé, ça fait… D'accord, donc bien que sceptiques, elles peuvent quand même avoir un contact avec le dragon. Tout à fait. Ah bien sûr, ça n'empêche rien, au contraire. Je dirais que même très souvent, les gens les plus sceptiques ont des contacts avec ce septième sens, on va dire ça dans le sens général, très souvent. Alors, il y a pas d'attente en fait, ils s'attendent à rien, donc du coup, ils lâchent en se disant bon, de toute façon, c'est des bêtises, ça ne viendra pas, ou de toute façon, moi je ne sens jamais rien. Et c'est là où ils se font surprendre et ils vont avoir des ressentis. Alors sur les dragons, il y a Sandrine qui nous dit « Ma dragonne s'appelle Pénélope et elle veille sur ma famille, mes animaux et ma maison. » Tout à fait. Alors c'est elle, c'est en partie d'elle dont je parlais tout à l'heure, elle aussi se disait « J'aimerais bien avoir une dragonne » et qui avait demandé à avoir reçu. Voilà. D'accord. On la salue. Et puis il y a Bertrand qui nous dit « Les dragons peuvent faire de la guidance pour la géobiologie de l'habitat également. » Si on leur demande pourquoi pas, en ce qui nous concerne, on n'a jamais fait appel à eux. En géobio, non. Sur certains soins énergétiques, ça m'est arrivé d'avoir le soutien au niveau du dragon. Sur la géobio, pas encore. Mais oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. De toute façon. D'accord, très bien. Ben merci pour ces partages sur la géobiologie extérieure. Ce que je vous propose, c'est on va terminer l'émission avec des questions des Nuréens, que je vais sélectionner parmi celles qui nous soumettent sur le fil de commentaires. Les amis, je vous laisse une petite minute pour poser des questions si vous en avez, comme ça je pourrais les sélectionner. Comme ça, moi je prends une minute pour présenter le programme de la semaine à venir et deux, trois petites infos, le temps que les Nuréens posent des questions. Et après, on termine l'émission avec ces questions-là. Est-ce que ça vous va comme ça? Ah bien. Très bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, des choses dont on n'aurait pas parlé et qu'il faut qu'on en parle maintenant? Peut-être un point important qu'on aurait omis. Bon, oui, simplement ne pas avoir peur des maisons hantées, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent chez les gens, c'est la peur des maisons hantées. Bon, s'il y a des phénomènes qui se produisent, je crois qu'il vaut mieux appeler quelqu'un et faire en sorte que tout le monde se porte bien après. Surtout ça, le message, c'est de ne pas avoir peur, en fait. Et en fait, ce qui se passe très souvent quand on dit maison hantée et qu'il y a des forts déplacements comme ça ou des fortes réactions, c'est qu'en fait, les défunts sont aussi… Il y a des fois dans ces lieux des personnes qui viennent observer, mais en fait, ils ne viennent pas aider. Donc effectivement, les défunts peuvent réagir de façon un petit peu forte, mais c'est parce qu'ils en ont marre d'être observés de cette façon et de ne pas être aidés à passer dans la lumière. En fait. Voilà. Donc, quand il y a des choses comme ça… autant faire appel à un géobiologue, éventuellement venir assister si les personnes ont vraiment envie de voir ce qui se passe, mais d'éviter, il faut avoir un certain respect aussi pour ces défunts et ne pas aller, les titiller et vouloir absolument les prendre en photo comme ça. Après, il y a des gens qui font ce travail-là, qui le font de façon respectueuse, bien sûr, mais voilà, de ne pas aller spontanément comme ça sur des lieux
pour observer. Donc, ça les dérange quand même aussi. On a affaire à des vraies personnes. Oui. Bien que défuntes, ça reste des personnes comme vous et moi. On a eu l'occasion d'échanger aussi avec des chasseurs de fantômes. Donc forcément, ils enregistrent les voix. Et les voix disaient, dégagez, vous n'êtes pas les bienvenus. Et quand on prenait un peu la logique, c'est un petit peu normal, puisqu'il y a une démarche d'observation, un peu de prouver que, mais on ne les aide pas, en fait. À ce moment-là, à la limite, on les prend en photo, mais on les aide. Donc voilà, on comprend un petit peu mieux aussi pourquoi des fois il y a des réactions un petit peu violentes, de colère, parce que justement, c'est un petit peu comme j'ai envie de faire un parallèle avec les animaux du zoo. C'est un petit peu différent, bien sûr, mais d'aller les voir, c'est une chose, de les aider à partir, c'est quand même autre chose. Les missions ne sont pas les mêmes. Après, d'une équipe de chasseurs de fantômes à une autre, nous, on a eu l'occasion d'en recevoir. Après, je ne veux pas faire une généralité. C'est pour ça que je mettais un bémol aussi. Ce n'est pas forcément des professionnels. Ça peut aussi être des fois des amateurs qui vont sur des lieux pour s'amuser un petit peu ou pour justement aller à la recherche. Généralement, c'est leur plutôt ça. Oui. Si c'est pour jouer à se faire peur, effectivement, je comprends qu'en face… Mais il y en a un qui compte ça. Alors, les Nuréens, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais on a eu un bug. Oups. Laurent, Adeline, on va y arriver ce soir. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend, mais on n'a pas d'image. Alors ça, c'est la première fois que ça arrive sur un direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu apparaître un erreur numéro je ne sais pas combien. Ouais, ce soir, c'est vraiment très particulier. Je crois qu'on n'est pas tout seul sur la connexion. Bien possible. Alors, ce que je vous propose, on va pas éterniser trop longtemps cette émission avant que la technique ne nous lâche. J'ai deux, trois informations à transmettre aux Nuréens et après, je vous soumettrai les questions et je resterai à l'écran sur vous puisque moi, apparemment la technique ne veut plus que j'apparaisse à l'écran, ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Donc, je fais juste un petit partage d'écran pour les Nuréens pour vous présenter ce qui vous attend la semaine prochaine sur Nuréa. Voici. Ah ben oui, mais même le partage d'écran, il ne veut pas me le prendre, forcément. Mais non, il n'y en a rien non plus. Je réessaye. Ah si, partage d'écran, ça fonctionne. Donc les amis, la semaine prochaine sur Nuréa, il y aura un seul direct dans la semaine. Ça sera jeudi le 10 mai à 20h30 où je recevrai Michel Desseil pour la dernière partie de l'histoire secrète de France avec l'approche ésotérique de l'histoire de France. Et cette fois-ci, ça traitera de la période du néo-spiritualisme de la fin du 19e jusqu'à la crise finale, c'est-à-dire aujourd'hui la France du 21e siècle. Pour celles et ceux qui ont suivi les quatre premières parties sur cette histoire de secrète de France, vous savez à quel point Michel Desailly peut être passionnant. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la cerise sur le gâteau, cette dernière émission avec lui, du moins sur cette thématique. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver jeudi à 20h30 sur Nuréa. Autre info que je voulais partager avec vous, les amis, petit coup de pub pour la boutique Nuréa Shop sur laquelle vous pouvez retrouver des t-shirts et tout un tas de goodies à l'effigie de Nuréa TV. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 7 mai, les frais de port sont gratuits sur la boutique et ça, c'est valable sur l'ensemble du globe, j'ai envie de dire. Donc si vous aviez pour projet de commander un t-shirt ou autre sur la boutique Nuréa, profitez-en puisque vous n'avez pas à payer les frais de port. Autre chose, je tenais à féliciter Sabri et Phil qui sont les gagnants du tirage au sort des Nuréens solidaires du mois de mars et avril. On avait pris un petit peu de retard avec l'organisation de l'anniversaire Nuréa, tout ça. Donc, on a fait les tirages en une seule fois pour le mois de mars et avril. Donc, Sabri et Phil, je vous ai déjà contacté par mail. Vous avez remporté le journal d'une transcommunication audio, donc écrit par Sylvie Joubert, une de nos intervenantes, que je salue et que j'embrasse très fort. Donc, bravo à Sabri et à Phil. Et puis, pour le prochain tirage au sort des Nuréens solidaires, donc je vous rappelle qu'il concerne toutes les personnes qui font un don à Nuréa TV, que ce soit via PayPal, les dons par chèque ou alors via notre page Tipeee, on
rassemble toutes ces personnes-là dans un grand chapeau, on en tire une au sort. Et pour le mois prochain, le mois de mai, le lot à gagner, ça sera un t-shirt de la boutique Nuria Shop, justement. Et ça sera le fameux désormais célèbre Soumets-toi humain. Voilà, ça c'était les dernières petites infos pour ce qui concerne Nuria TV. Je vais repasser la caméra sur nos invités du soir, Adeline et Laurent. Et puis je vais vous soumettre une ou deux questions, s'il y en a, pour finir cette soirée. Alors, il y a Dominique qui nous dit « Les Casper sont taquins ce soir ». Je ne sais pas si ce sont des Casper, comme tu dis, Dominique, ou si ce sont nos chers amis élémentaires, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils me font des blagues, ceux-là. En tout cas, ce soir, effectivement, la technique nous joue des tours. Sylvie qui nous dit « Christian Cambois », donc Christian déjà qu'on salue très fort, « que vous avez invité n'a jamais été indisposé par des entités négatives, il suffit de croire pour voir, bisous à vous tous ». Ça rejoint un peu ce que tu disais Laurent, effectivement, il n'y a rien de négatif derrière tout ça, et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, les questions. Maxime qui nous demande « Est-ce que Laurent et Adeline peuvent faire du nettoyage de lieux à distance ?» Donc, bah oui. Ça, tu nous l'as expliqué tout à l'heure. On en fait déjà. Ensuite, tout le monde me dit « on t'entend, Guillaume ». Oui, je sais que vous m'entendez, les amis. Vous ne me voyez plus. C'est ça, c'est ça le truc. Ah oui, une très bonne question de Marie-Madeleine qui nous demande « les défunts présents, donc quand vous nettoyez, quand vous faites le nettoyage sur une maison, sont-ils décédés dans la maison ou peuvent-ils venir d'ailleurs ?» Pas forcément, ils peuvent venir d'ailleurs, effectivement. Oui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui décède à 600 km de chez lui peut dans cette après-vie peut revenir dans sa maison, la maison où il vit. Ah oui, s'il a vécu dans la maison, oui, tout à fait, oui. Faut qu'il y ait un lien, soit un objet, soit attaché à la maison, et oui, effectivement, c'est possible. Ou à une personne. Ou à la personne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui soit venue dans cette maison et qui soit, entre guillemets, porteuse et que cette personne-là se dise « Ah bah tiens, finalement, ici, il y a deux, trois personnes qui ont plus d'énergie, je reste là. » Ça peut être, et ça peut être aussi lié au terrain. D'accord. Ben, merci pour votre réponse. Audrey qui nous dit « Petite question, vous vous déplacez dans toute la France ou seulement dans votre région ?» Audrey, elle est déjà intéressée. Bah, comme on disait tout à l'heure, ça peut être à distance aussi. Oui. Tout à fait, on fait quand même un peu de route. Ça nous arrive de nous déplacer. Ouais, on en est allé jusqu'à Genève, par exemple. Bon, oui. Ouais. D'accord. Entre les stages et les interventions sur les lieux de vie, ça va faire un paquet de kilomètres par an, tout ça. Oui. Oui. Et on précise aussi qu'on organise des stages de formation en géobiologie de l'habitat, donc avec des dates qui sont déjà prévues. Donc voilà, enfin, si les gens sont intéressés, bien sûr. N'hésitez pas à retrouver, d'ailleurs, il y a le lien vers votre site internet. Donc n'hésitez pas, les amis, à aller vous renseigner directement sur le site d'Iridolouan. Je vais y arriver. Iridolouan. @gmail.com. C'est ça, mais le lien est directement sous la vidéo. C'est iridologielouan.fr. Oui. C'est ça. Une question de Laurent. Quand on vit en appartement avec des voisins en dessous et dessus, beaucoup de bruit, beaucoup de conflits, l'énergie du voisinage peut jouer sur nous. Nettoyer ces énergies sont assez difficiles parce qu'elles reviennent sans cesse, surtout s'il y a beaucoup de conflits et de mauvaises ondes chez eux. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour se protéger des mauvaises ondes du voisinage? C'est pour ça qu'on expliquait le principe en fait de détourner, de faire une cage de Faraday, c'est-à-dire qu'on va venir faire le travail en géobiologie sur l'appartement, et en fait ça va permettre de détourner aussi tout ce qui se passe en dessous, sur les côtés de l'appartement concerné. Donc en faisant un relevé et en levant une pierre, oui, c'est possible de détourner ces énergies-là, bien sûr. À savoir aussi que sur des lieux particuliers, par exemple aujourd'hui, on a fait un magasin, sans le citer. À côté de ce magasin, il y avait une pharmacie. Et donc, les énergies des gens qui vont en pharmacie et éventuellement des médicaments passaient. Donc, on a mis une protection le long du mur pour que ces énergies soient
on a donc rajouté des choses dont on n'a pas parlé. Quand il y a des choses spécifiques, on a toujours la guidance qui nous permet de compléter et d'ajouter. C'est pour ça qu'il y a les points cités, il y a tout le travail spécifique qu'on fait en fonction des lieux. En fait. Donc, il y a effectivement d'autres moyens de détourner ça et de protéger les habitations. Mais toujours dans le respect aussi de la partie à côté. Oui. C'est-à-dire que nous, on ne doit absolument pas empiéter sur l'appartement d'à côté, même s'ils font du bruit. Voilà, on n'a pas à interagir sur eux, simplement à protéger les gens qui sont. D'accord. D'accord. Ben, à nouveau, merci pour votre réponse à tous les deux. Je vais vous proposer une dernière question. Je vais la retrouver. Tuk, tuk, tuk. Une question de Patrice. Y a-t-il une méthode de géobiologie pour ne pas tomber malade quand il y a la pleine lune ? Alors, je vais parler un peu naturopathie par contre. Donc il y a certes, il faut rester aussi ancré et ça on le fait toujours sur le travail. Donc certes, on peut être influencé par les énergies de la lune, mais on sait aussi en naturopathie que quand l'organisme est perturbé à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une ponte au niveau des vers intestinaux et qui va venir perturber le sommeil. Donc, éventuellement, faire une petite cure détox au niveau intestinal. Et après, s'il y a toujours ces perturbations-là, je dirais c'est prendre le temps de respirer, de méditer et d'accueillir plutôt que d'appréhender et de lutter. Et d'avoir peur. D'accord. Donc ce soir, ail et persil, un gros bouquet et méthode naturelle. Voilà. Enfin, ce soir, je ne pense pas que ce soit la pleine lune, je n'ai pas regardé, mais prochaine pleine lune, ail et persil pour toute la famille. je vous pose encore une dernière question. Cette fois-ci, c'est une question d'Amédée. Comme quoi, tu vois, Amédée, je ne suis pas rancunier pour la blague de tout à l'heure sur la maison hantée. Avec du recul, elle était vraiment très bonne et je suis vraiment tombé comme un lapin de joie. Amédée qui demande, comment savoir si les deux menhirs que j'ai mis dans mon terrain au feeling sont efficaces ? Bah, est-ce que il les a posés pour des raisons précises, j'imagine ? Donc, si... Il les a mis au feeling parce qu'il sentait qu'il fallait les mettre. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'intuition et à ce moment-là Après, on peut. Après, il y a tout ce qui est mesuré. Après, il y a quand même ce qui est les défunts, les choses comme ça. Mais après, lui, s'il y a un mieux-être au niveau de l'habitation... Parce qu'il faut savoir dans quel but il les a levés. Quelle intention a été portée en journée. Parce que poser des menhirs, en général, quand on pose un menhir, c'est vraiment qu'on va lui demander de faire quelque chose pour nous. Donc, si au moment où il l'a posé, c'était dans une intention précise et qu'il n'y a pas eu donc d'événements qui correspondaient à ce dont il voulait se protéger, c'est que ça marche. Après, s'il les a juste posés en termes de déco, il faudrait savoir pourquoi il les a posés en fait, pour répondre à la question. Très bien, merci beaucoup. Et puis, comme je suis gourmand, maintenant j'ai de l'écho sur la voix, mais ce soir rien ne me sera épargné. Une dernière question de Marion, et après promis j'arrête, qui nous dit, Marion, on passe quand même pas mal de temps au boulot, pour ceux qui travaillent sur un ordinateur toute la journée, comment se protéger ? Alors là ça va être plus avec des pierres quand même, donc tout ce qui est, on conseille pas mal les tourmalines, les shungites, et après... là, ça va être plus des nettoyages énergétiques, des soins énergétiques en fait au niveau des yeux, quoi, des choses comme ça. Pas oublier de protéger aussi les yeux, physiquement. Mm. Il y a les vibratoires, le vibratoire, mais aussi le corps. Ouais. Et puis essayer de faire des pauses aussi régulièrement. Ou après, ce qu'on peut faire, c'est quand on parlait aussi, quand on lève des pierres spécifiques pour les personnes, c'est... Vous nous entendez toujours ? Ah oui, je vous écoute. J'ai juste fait un partage d'image parce que je supportais plus le logo, mais non, c'est-à-dire qu'on te reconnaissait pas. Donc... Alors, pour que les gens comprennent, je partage l'image. C'est la fameuse affiche de fin. Voilà, c'est à quoi je ressemble quand je suis pas à l'antenne. Je rebascule la caméra sur vous, les amis. Je vous laisse terminer. Donc, quand il y a beaucoup de pollution comme ça, donc effectivement, on peut agir en soins énergétiques sur les yeux. Il y a la tourmaline et la shungite qui peuvent être posées devant.
Et aussi, là, on peut lever une pierre que la personne peut porter sur elle avec une intention particulière, justement, de le protéger de tous ces champs. En fait. On peut faire ça. Ah bah, te revoilà. C'est pas magique, ça ? Ah bah, vraiment, ce soir, c'est quelque chose. Tu vois, c'est en trifouillant un peu, je crois que j'ai réussi à faire revenir la caméra. C'est quand même mieux que l'affiche. Ouais, je l'ai trouvé mignon sur l'affiche. Bon, en tout cas, un grand, grand merci à tous les deux de nous avoir consacré cette soirée. On espère vous revoir bientôt sur Nuria TV. Et en tout cas, on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Beaucoup de courage dans vos interventions sur le terrain. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion une prochaine fois de reparler de ces vortex, parce que là, il y a vraiment à développer. Quelqu'un nous demandait d'ailleurs tout à l'heure, Laurent, si vous en avez, du coup, est-ce que vous en avez vu passer par ces vortex ? Et je pense qu'il y a plein de questions autour de ce phénomène-là, donc on recreusera ça dans une prochaine émission, si tu veux bien. Bon, oui, on en a vu passer par les vortex. Pas en direct, mais on a rencontré des gens qui sont passés par là. Oui. Oui. Attends, vous me la refaites. Vous avez rencontré des gens ou des EBE ? Ah, bon, alors là, il faudrait faire une autre émission sur les EBE, parce qu'effectivement, on peut aussi avoir des contacts. Mm-hmm. Voilà. Mais on a rencontré des gens qui, effectivement, sont passés par ces, mm-hmm. par ces trappes, si on peut dire. Mm-hmm. Et encore on pourrait en parler pour 2 heures, ouais. Si on commence à parler de ça. Mais oui, on a des retours d'expérience et il y a des infos qui se recoupent. Voilà. Bon, ben voilà, donc c'est ce que je disais. Prochaine émission, on sait de quoi on parlera. En tout cas, grand, grand merci à tous les deux encore une fois. Vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir tous les deux sur Nuria. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, si vous avez un dernier mot à dire aux Nuréens, eh ben, je vous laisse la parole. Merci à tous et puis donc merci, j'étais ravie de faire cette première émission. Voilà, donc c'était un vrai plaisir pour moi. Voilà. Merci également. J'avais promis de passer quelques petits bonjours. Alors, pendant que je suis là encore, c'est le dernier moment. Donc, il y a plein de gens. Voilà, donc un petit coucou à Virginie, à Céline, à Valérie et Ludo qui ont peut-être regardé jusqu'à la fin. En tout cas, voilà, et puis tous les ans, les gens qu'on connaît et qui nous ont suivis, qui nous ont dit qu'ils seraient là, on leur fait des bisous. Donc un grand merci à tout le monde. Donc un petit coucou à Mimi et Val. Voilà. Mimi, Val et puis d'autres. Tous les autres, on en a sûrement oublié. Mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, merci à tous les Nuréens de nous suivre. Et ce sera avec plaisir de revenir vous parler d'un sujet comme celui-là ou d'autres. Eh ben, ça sera un plaisir de vous accueillir à nouveau à l'antenne. Moi, je terminerai avec quelques commentaires des Nuréens. Marie qui nous dit merci Adeline, Laurent et Guillaume pour cette soirée. Patrice, merci, merci. Valérie, grand merci à tous les deux pour toutes ces infos. Super soirée, bise. Laurent, super émission. Merci Adeline et Laurent, j'ai appris pas mal de trucs. Bravo Guillaume pour cette gestion de technique défaillante. Belle soirée à tous. Et enfin, Amédée, toujours lui, qui nous dit super soirée. La géobiologie est beaucoup plus étendue que la première approche que j'en avais eue. Merci Adeline et Laurent. Ben, je crois que si on a réussi à ouvrir un peu le champ de réflexion sur ce domaine de la biologie, c'est que la soirée est réussie. Donc un grand merci à tous les deux et on vous dit à très bientôt sur Nuria. À tout bientôt. À bientôt. Les amis, eh ben, c'était un grand plaisir pour moi aussi de partager cette soirée avec vous. On a eu quelques petits soucis techniques, mais bon, si on n'en avait pas de temps en temps sur les directs, ça ne serait pas vraiment drôle. Donc en tout cas, un grand merci pour votre fidélité. Vous étiez encore super nombreux ce soir. Moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end pour celles et ceux qui ne travaillent pas demain matin. Bon courage pour celles et ceux qui vont au turbin. Et en tout cas, n'oubliez pas les Nuréens, gardez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. À très bientôt, au revoir. Ciao.